Bonsoir à tous, bienvenue sur le stream, j'espère que vous allez bien ce soir. On se retrouve en ce vendredi soir sur le trot pour la suite des aventures de Rodogado et Yoba. Alors ce soir, on sera certainement que tous les deux, mais avec vous, on sera très nombreux. Je vous souhaite la bienvenue, Glamreed et les autres, peut-être viewers de l'ombre. Et ce que nous avons prévu ce soir, comme tu fais si bien de le demander, c'est de continuer les quêtes. Alors normalement, il ne nous reste pas énormément de quêtes au niveau du pays de Bray, et du coup, on devrait pouvoir partir pour la prochaine zone. Alors, justement, pour parler de la prochaine zone, je vous avais fait un sondage il y a maintenant une semaine, donc vous avez été plusieurs, je ne vais pas dire nombreux, hein, parce qu'on dit souvent nombreux, non, je vais dire que vous étiez plusieurs à participer, et je vous en remercie d'avoir joué le jeu, d'avoir essayé de nous aiguiller un petit peu sur qu'est-ce que vous préférez et qu'est-ce qui serait peut-être le mieux à faire. Et nous avons eu une préférence pour le fait de faire toutes les régions à 9 voix contre 5. Voilà, par rapport à l'autre où c'était juste un trajet, une région, puis une région plus haut niveau, puis une autre région plus haut niveau. Donc là, on va faire toutes les régions. Donc, ce qu'on va faire, c'est que la suite des quêtes, après le pays de Bray, ça se passera dans les terres désolées, donc dans les terres solitaires. Et après, quand on aura fini les terres solitaires, nous irons dans les Hauts du Nord. Alors, il se peut que on aille aussi dans d'autres régions, encore une fois, à cause de la quête épique. Mais si la quête épique, par exemple, nous envoie des terres solitaires dans les Hauts du Nord, eh bien, on attendra pour la faire. Si, par contre, c'est dans une autre zone, eh bien, on pourra la continuer si la zone n'est pas trop au niveau. Voilà, donc, ça, c'est un petit peu l'objectif. Donc, maintenant, plus la peine d'aller voter. On a eu suffisamment de votes, vous avez été nombreux, je l'ai laissé suffisamment de temps, mais je vous remercie encore d'avoir participé. Donc, s'il y a d'autres moments où on ne sait pas trop quoi faire par rapport à ceci, par rapport à cela, eh bien, je remettrai un sondage et je vous redemanderai, puisque c'est aussi vous qui regardez par la suite, donc peut-être que vous êtes plus intéressé par certaines choses que d'autres. Haut du Nord débute level 24, exactement, mais les terres solitaires débutent level 20. Donc, on va commencer d'abord par les terres solitaires. Alors après, on ne sait pas trop encore comment on va faire. Est-ce qu'on va se bloquer à un niveau intermédiaire pour qu'on puisse faire relativement facilement, mais aussi pas trop facilement, toutes les quêtes d'une région et de l'autre? Bon, je ne sais pas trop, hein. Peut-être ça sera bloqué niveau 28, 29, 30, je ne sais pas. Mais en tout cas, on essaiera de faire en sorte qu'on ait toujours le minimum requis pour pouvoir faire de l'aggro sur les mobs. C'est-à-dire que les mobs, il faut au moins avoir au maximum avoir 9 niveaux ou 10 niveaux de différence seulement, parce que si on a plus, eh bien ils seront en gris et là ça sera très chiant. Pourquoi? Parce que pour les aggros, pour aller dans les camps, les machins comme ça, bon ben ça va pas être possible. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire. Mais on n'en est pas encore sûr. Alors voilà, c'est les prémices, les débuts, on verra bien. Oui, j'aurais bloqué le level 27, exactement. On va voir pour faire un petit peu plus comme ça. Donc, ça, c'était la première chose. La deuxième, on va se mettre... C'est enflammé. On va se mettre en jeu et vous voyez que j'ai enfin eu Ed, la monture à pique-nique. Alors, c'est une monture qui est en fait, non montable, puisque c'est une créature apprivoisée d'apparence, et c'est-à-dire qu'elle va me suivre partout maintenant. Donc mon objectif, comme cette monture-là, Steed of Summer Night, qu'ils ont toujours pas traduit, hein, malheureusement, je sais pas ce qu'ils foutent, qu'ils ont toujours pas traduit, n'est pas super folichonne, hein, je vous l'ai déjà montré, la nuit, c'est sympa, mais les lucioles, elles se pressent pas trop non plus au portillon, regardez, on les voit pas, voilà, elles apparaissent qu'à partir d'un certain moment, et on les voit pas trop. Donc, pour éviter d'avoir une monture qui est sympa, mais qui correspondrait peut-être pas trop à de l'aventure où on a besoin de beaucoup d'équipement, besoin de beaucoup de nourriture parce qu'on est des hobbits, eh bien, je prendrai la monture la monture de pique-nique, qui est exactement ou presque pareil que la créature apprivoisée. Elle aura juste un petit peu moins d'équipement pour que je puisse m'asseoir sur la selle quand même, hein, parce que je suis un hobbit, je suis pas très gros, mais quand même, il faut pouvoir se poser. Donc je la prendrai, mais pour ça il faudra encore que je fasse pendant 4 jours l'escarmouche et que je récupère les points. Donc c'est pas tout de suite. Oui c'est ça, 9 levels max, ok.
On est bien d'accord, du coup il faudra qu'on fasse attention, mais pour l'instant le niveau est bloqué 24, puisque comme je vous l'ai dit, ce week-end on va faire les instances des Galgal, principalement dimanche pour vous, c'est là où ça vous intéresse parce que ça sera en streaming, mais demain nous on va s'entraîner, je vais m'entraîner à faire un peu de l'aggro pour que j'arrive à bien tanker et que je reprenne la main, hein, parce qu'avant j'arrivais à bien tanker, mais là maintenant j'ai vu que j'avais peut-être un petit peu perdu la main. Alors, on va ouvrir le petit cadeau de Hobbit. Donc on va mettre ça là. C'est quoi ça? Non, je l'ai mis sur le côté déjà. Hop, on peut le mettre là. Mon reroll à 6 jours, 7 heures et 25 minutes de jeu. Level 64, tu trouves que c'est bien? Alors 6 jours, attends, ça représente quoi 6 jours 2 jours, c'est 48 heures. 3, c'est 72. Donc 6 jours, ça fait 150 heures à peu près. 150 heures de jeu pour monter 64. Ouais, je trouve que c'est bien. T'es même monté vite, hein, parce que avec tout ce qu'il y a à faire. Non, je pense que c'est plutôt pas mal. Après, c'est pas une question de est-ce que je joue bien parce que je joue vite, j'arrive vite au niveau 64, ou est-ce que au final je mets trop de temps à monter. C'est toi qui vois, justement. Prends ton temps, ou alors monte au plus vite pour aller faire les dernières quêtes, les dernières instances. C'est à vous de voir, suivant ce que vous préférez. Là, nous, on a vu que c'était très intéressant de pouvoir refaire toutes les quêtes. Donc forcément, on met du temps à monter, mais on se fait plaisir aussi, et j'espère que c'est également votre cas. Alors, le cadeau de Hobbit, ce soir. Alors, je vais le déplacer parce que j'ai remarqué en regardant rapidement la rediff, hein, pour savoir si c'était bien, si c'était propre, si c'était clean, que en fait à chaque fois j'ouvrais le cadeau de Hobbit, mais des fois il y avait du chat qui arrivait par-dessus. Bon, c'est pas très grave, mais c'est un peu con parce que du coup vous le voyez pas super bien. Alors, ouverture de l'argent, vitesse de monture plus 20%. Bon, encore une fois, ça, ça va aller dans le coffre parce que la vitesse de monture, on l'a déjà à 78%. Pour aller encore plus vite, mais il faudrait qu'on le fasse tous les deux en même temps, tous les trois en même temps qu'en Stugnar est avec nous. Ah, bah, là on a des sœurs jumelles, pratiquement. Ok. Plutôt original. Donc voilà, ça c'était les petites nouvelles. J'ai également pris de l'emote de l'ornementation, pardon. De l'ornementation. Donc j'ai mis cette fameuse cape qui brille un peu la nuit, qui est super sympa. Et j'ai également pris la lanterne. Mais encore une fois, je suis déçu parce que la lanterne, il faut forcément la mettre pour un gardien en main principale. Sauf qu'en main principale, moi j'ai la poêle. Et la poêle me plaît beaucoup plus parce que surtout quand je tape sur mon bouclier, ça fait ding ding ding. Donc bon, ça servira peut-être pour un autre perso puisque vous le voyez, c'est lié au compte. Alors, on va retrouver Yoba qui est... Il est pas là. Il est pas là, Yoba, elle est là-bas. Nos quêtes sont maintenant... Pays de Bray, aller voir Andreg au vieux fort du chemin vert, donc faut revenir le voir. La lettre de Lily à Kandak, en route de l'Est. Là. Ah oui, la balade de Bingo. Donc il faut parler à Bingo devant la maison de Prisca Beaufin à Bourgneuf, au pays de Touc. Donc on va prendre Bingo. Bingo, comme je vous l'ai dit, on va voir si on ralentit pas un peu dessus, si on n'arrête pas même, parce que à cause d'eux, hein, je le rappelle, ça nous a fait aller dans les Galgal trop tôt. J'ai fait les régions une par une, comme toi tu vas faire. D'accord. Bah écoute, ouais, je sais pas, j'ai du mal à me situer. Écoute, quand on sera niveau 64, il faudrait se rappeler de faire slash jouer pour savoir combien de temps nous on a mis. Parce que bon, à côté, c'est vrai qu'on joue aussi un petit peu les quêtes du festival, un peu d'escarmouche et tout, mais... Bon, en gros, on joue vraiment quand moi je stream. Enfin, en tout cas pour moi, pour mon perso. Salut Ombur, ça va bien Ombur? Je le rappelle, Ombur alias Viltar. Qui c'est que voilà? C'est pas Inspecteur Gadget, c'est Viltar. Il était caché. Donc, on va revenir voir. D'abord Andreg, pour savoir ce qu'il nous veut. C'est bon, tu viens avec moi? Au pire, tu me rattrapes. Ça, on va aller lire la quête. Bon, j'espère que vous n'avez pas trop chaud, encore une fois. La chaleur commence à redescendre un petit peu.
mais c'est pas encore ça, c'est pas encore au top. Donc j'ai remis mon débardeur, je ne le mets que pour vous, donc ça va, il va pouvoir durer plusieurs jours. Fais des économies de débardeur. Donc par contre, des piafs qui volent la nuit, bon, ça... à moins que ce soit une nuée de chauves-souris. Donc voilà, on avait nettoyé les champs de Bray Nord, les champs de Bray Est. On avait même été jusqu'à Nenart. Alors, Nenarn, mais c'est écrit super gros, mais en fait, il n'y a pas grand-chose. Hein. Pas grand-chose à y faire là-bas. Ah oui, je te conseille la région d'Isengard, carrément. Surtout maintenant que ils ont dû faire des mises à jour, que ça doit être plus propre, plus sympa. Non, la région d'Isengard est vraiment excellente. Les quêtes sont différentes de ce que tu peux avoir avant, mais sont tout aussi sympathiques. Si tu me poses la question, j'anticipe ta question, elles sont plutôt différentes pour moi parce que en fait tu vas avoir vraiment une population spécifique à aider et qui va être sur toute la région, pas juste enfin sur toute la zone de l'Isengard et pas juste sur une région. Donc là tu vois que c'est vraiment une culture. Alors non, il était plus loin. Et voir Sairadan. Bah non, les instances, carrément. Ah, faut absolument que tu fasses les instances. D'ailleurs, nous, on regrette de ne pas avoir trop fait les instances de l'Isengard. Parce que sachez qu'avec les instances de l'Isengard, vous pouvez avoir, si je me rappelle bien, la monture multicolore. Voilà, la monture multicolore, une monture magnifique qui change de couleur quand vous êtes dessus. Simplement. Et vous avez également la possibilité de looter dans le raid. Je crois bien que c'est le raid, je ne veux pas dire de bêtises, mais ça doit être le raid, la tour d'Isengard en ornementation de maison. Mais il faudra pour ça une maison de confrérie avec un immense jardin, ou peut-être une maison de luxe avec un immense jardin. Je ne sais pas où voir. Non, voilà, c'est ça, c'est forcément une maison avec un grand jardin. Oui, d'ailleurs, on retrouve Kaiver. Hop. Alors, André, qu'est-ce qu'il nous dit? Bien le bonjour. Ah bah oui, 2495 points, mais pourquoi? Parce que c'est une extension. C'est pas juste un pack de quêtes, c'est une extension, donc tu vas avoir plus de choses que dans un simple pack de quêtes. Patrouille à la frontière. Ainsi donc, si les orques ont envahi la vallée des Hauts du Nord, c'est que nos lignes ont été franchies. Nous devons alerter mes compagnons dans tout le pays. Nos efforts ont été d'une grande importance, Rodecto. Vous accepteriez de me rendre un service? La chute des Hauts du Nord. Sairadan doit savoir que, bien que nos efforts par ici soient couronnés de succès, nous n'avons aucune idée de l'importance de l'invasion vers le sud. Il doit également apprendre que nos frères du nord n'ont pas réussi à empêcher les tribus orques de s'étendre. Partez vers le sud, le long du chemin vert, et allez porter ces nouvelles à Sairadan, il se trouve devant sa cabane. Sa cabane au fond du jardin, j'y vais quand j'ai besoin. On va venir voir Sairadan. C'est le chef quand Aragorn n'est pas là. En tout cas de la zone. Oh d'ailleurs, j'y pense, vous avez dû le voir quand vous avez lancé le launcher, si vous l'avez fait aujourd'hui, que vous avez une nouvelle promo qui est arrivée avec les soldes, puisque les soldes d'été ont commencé. Eh bien, les soldes ont également commencé sur l'autre, et vous avez double point SDAO pour tout achat. Donc normalement, point SDAO, voilà, point doublé. Donc c'est-à-dire que bah, vous en avez deux fois plus, hein, simplement. Hein, et bah, ça porte bien son nom. Donc si c'est intéressant pour vous, profitez-en, c'est le moment. Et si c'est possible aussi. Que désirez-vous? Alors, que nous parvenons à les arrêter ici, nous échouons dans le nord, ce sont là de bien mauvaises nouvelles. Le pire, c'est que nous n'avons probablement pas réussi à empêcher tous les orques de passer dans le pays de Bray. Je crains pour la vie des rôdeurs qui surveillent les passes et les routes du sud. Je vais continuer à tenir mon poste, mais je dois vous demander encore de l'aide. Toutefois, je tiens à vous remercier de tous vos efforts dont vous avez fait preuve.
Veuillez accepter ceci en récompense. Des filets de perche? Pour tous les efforts qu'on a fait? Des filets de perche, tu te fous de notre gueule? Parce qu'on est des hobbits, c'est pour ça. Mais Viltar, tu n'as pas rendu tes quêtes à Saher Adan? Juste aujourd'hui, j'en ai gagné 100 ans. Bah, dis donc, t'as bien farmé. Hein. T'as fait de la prouesse. Alors, donc, pour la suite, qu'est-ce qui nous reste? Bingo, ok. Le livre épique, c'est dans les terres solitaires. Ça sera pour la suite, puisqu'on partira après à Pointe-Réto. La route de l'Ebor, bon, ben, ça c'est autre chose, ça c'est les instances échelonnées. Les Grands Galgal, c'est pour ce week-end. Le festival, c'est pas ça. Et l'introduction, voilà, destination, les Hauts du Nord, non, les Terres Solitaires, pardon. Parler à quelqu'un dans l'auberge abandonnée. Donc ça, on le met en quête ici, et on va aller parler à Bingo. Ah oui, des prouesses, ouais, on est à l'Ouest. Bah écoute, moi je l'ai jamais fait, mais j'imagine qu'il y en a beaucoup. Donc quoi, au moins, tu montres qu'en une journée, on peut gagner beaucoup de points si on farme. Et que derrière, grâce à ces points, on peut s'acheter des régions pour ne pas avoir de dépenser en abonnement. Surtout que ces régions sont disponibles pour tout votre compte. Donc pour tous vos personnages, présents et à venir, sans avoir à prendre d'abonnement. C'est vraiment pratique. Et puis ce que j'aime bien aussi dans ce principe-là, c'est que vous allez avoir le statut premium quand vous vous êtes abonné. Donc voilà, vous vous abonnez une fois, après vous êtes premium. Donc vous avez quand même des avantages supplémentaires par rapport à quelqu'un qui ne se serait jamais abonné. Ce qui est rarement le cas dans d'autres MMO. Un peu comme le Pays de Dain, avec les crébins. Crébins du Pays de Dain. Bon, écoute, on verra ça quand on y sera, hein. Je sais que ce soit sympathique. On va peut-être prendre le dada. Il ira encore plus vite que le nôtre. Ah oui, c'est ça, oui, effectivement. T'as les voyages rapides, t'as la bourse de débloquer. Pour tous les persos que tu as qui étaient présents quand tu t'es abonné, tu as les vertus, les emplacements de vertus de débloquer. D'ailleurs, je peux en rajouter un. Vertu. Détermination, non. Honneur. Ah, honneur, c'est intéressant. Alors, idéalisme, on l'a mis. Honneur, on a gagné un point. On va mettre innocence, comme je vous l'avais dit, pour gagner les passifs. Et vous avez aussi... je crois, il y a peut-être toujours deux là, deux emplacements, quand vous êtes premium. Alors ça, je suis pas sûr, mais je crois que vous avez quand même deux emplacements. À moins que ce soit que en abonné. C'est vrai que ça coûte quand même certains prix de devoir acheter une autre spécialité. Bah, toutes les régions, non. Non, mais comme on est abonné, on a toutes les régions. Comme ça, ça nous permet de vraiment pouvoir faire tout ce qu'on veut quand on veut et non pas de se dire « Bon, bah écoutez les gens, on va pas partir dans les Hauts du Nord parce que pour l'instant, on n'a pas farmé assez de points, on peut pas les acheter, donc voilà, non. » Et puis moi, j'aime bien les avantages d'abonner, même si là, l'expérience, ça nous sert pas. Mais il y a d'autres avantages. Ah oui, j'ai tout. Alors après, si tu parles des extensions... Non, j'ai pas l'extension Mordor, si tu parles des extensions. J'ai toutes les zones, mais le Mordor, comme c'est une extension, je suis pas sûr qu'on puisse le faire. Une bonne question, je vais regarder. Parce que normalement, si on peut le faire, on peut pas l'acheter. Contenu, extension... Voilà, il reste que le Mordor à avoir. Mais on peut, comme toi, l'acheter directement en jeu et ne pas avoir à l'acheter sur le store. Le store qui est sur le site
du Seigneur des Anneaux Online. Après, l'avantage, c'est que sur le site, vous pouvez encore, ça doit toujours être disponible, avoir les trois niveaux. Les trois niveaux d'extension, c'est-à-dire la version de base, la version améliorée et la version légendaire. Donc, bien sûr, plus vous allez vers le légendaire, plus vous avez des bonus supplémentaires en achetant l'extension, mais plus c'est cher aussi. On est revenu là. Vous voyez, il y a Ed qui nous suit. Transporte notre bouffe. Et on va revenir voir Bingo. An English Hobbit. Toi, t'as tout Sophie Zangar, ok. Mais du coup, il te suit pas quand t'es à cheval. Mais non, c'est justement ça qui m'intéresse. Parce que vous voyez, c'est pour ça que je veux la monture à pique-nique qui lui ressemble. Parce que comme ça, quand je suis dessus, je suis sur ma monture avec mon pique-nique. Et quand je suis à terre, un peu comme Bill le poney dans Le Seigneur des Anneaux, eh bien, il me suit. Il me suit, donc ma monture est en fait toujours avec moi. Parce que je suis aussi désireux d'emmener un poney à l'intérieur de la Moria. I learned a lesson. Do not let folk read my book until it is done. Alors, on va faire un petit résumé. Bingo, il était parti de la comté. Alors, il y avait eu quelques déboires au début, il avait voulu nager, il avait voulu récupérer ses affaires avant de partir, et on l'avait retrouvé après au niveau du pont du Brandevin, et on était allé voir sa cousine qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. Donc sa cousine, il y avait plein de ses enfants, mais il y en a une qui était un peu plus aventurière, elle était partie dans la vieille forêt. Dans la vieille forêt, on l'a retrouvée, et elle a voulu nous présenter Tom Bombadil, qu'on avait déjà vu. Bon, ça c'était autre chose. Mais après, Tom Bombadil a voulu lire le manuscrit de Bingo qui décrivait ce personnage, hein, parce que même faut dire que c'est un personnage, Tom Bombadil. Sauf que Tom a perdu son manuscrit. Donc on a dû se retrouver dans les Galgales à chercher les pages du manuscrit de Bingo. L'ayant retrouvé, maintenant, il revient voir sa cousine et ses enfants. Nous sommes tous revenus sains et saufs des hauts des Galgales et j'ai épuisé mon registre de superlatifs pour décrire cette partie de notre aventure, Rodogano. Je ne saurais dire mieux que cela combien j'ai été malheureux de me retrouver au milieu de cet tertre. Mais j'ai appris une bonne leçon. Aujourd'hui, ne pas laisser lire mon livre à personne tant qu'il n'est pas terminé. Tom n'a pas fait exprès, mais je ne voudrais pas risquer de perdre d'autres pages dans des endroits encore plus inquiétants. Les retrouver une par une est pour le moins fatigant, ne trouvez-vous pas? En plus, Prisca est en colère contre moi. Elle pense que c'est moi qui ai insisté pour aller dans les hauts des Galgales, alors que c'était bien la dernière chose que je voulais. C'était l'idée de Bouton d'Or. C'était fabuleux, Rodogado. Les hauts des Galgales étaient aussi excitants que je l'espérais. Je n'ai jamais eu peur, enfin, pas vraiment. Je vais vraiment devoir trouver quelque chose d'incroyable pour faire mieux que cette grande aventure. Donc ça, c'était sa fille qui était perdue dans la vieille forêt. Et Prisca... Oui. Oui, c'est vrai qu'elle n'était pas perdue. Ah oui, la traduction, non mais elle manque la traduction. C'est ça qui est malheureux, c'est qu'ils ont laissé les voix, mais elles sont en anglais. Donc il faudrait bien qu'ils changent les voix ou qu'ils les enlèvent carrément. Ah bah je sais pas, on verra bien. J'ai déjà grondé Bouton d'Or, mais cela ne sert à rien. Elle est sans cesse en train de partir à l'aventure, comme elle dit. Ah, elle me cause surtout des ennuis, oui. Cela m'a fait plaisir de revoir mon cousin Bingo, mais je vais devoir lui demander de repartir au plus vite. J'ignore qui de lui ou de Bouton d'Or a une mauvaise influence sur l'autre, mais il est grand temps de mettre un terme à ses inepties. Il y a eu beaucoup de beaux fins différents au fil des générations, mais des héros dans la famille, il ne manquerait plus que ça. Ils n'ont pas l'air très contents d'avoir des héros aventuriers. Hein. Salut Lex. Je voulais pas faire l'erreur. Salut Lex. Est-ce que ça va bien, Lex? Prisca will calm down in time. She always does. Bah, Prisca finira par se calmer comme toujours. Je vais aller voir ses enfants et j'en profiterai pour essayer de décourager Bouton d'Or de chercher sans cesse de nouvelles aventures. Cela m'étonnerait fort que je parvienne, et de vous à moi, Rodogado, je ne suis même pas sûr d'en avoir envie. Elle fera une bien belle héroïne, si c'est ce qu'elle veut être, et Prisca devrait l'en s'en accommoder.
mais n'allez surtout pas lui répéter que ce que j'ai dit. Nous avons encore besoin d'un endroit où loger jusqu'à ce que nous reprenions notre voyage. Mais en fait, il va pas dormir chez sa cousine? Elle a plus de place à cause de tous ces gamins? Voilà, j'ai voulu faire une voix un petit peu anglaise parce que c'est vrai que comme il parle à chaque fois en anglais, pourquoi pas lui faire une voix anglaise pour le différencier des autres personnages. My feet are ready to once again oui, un peu chaud. Forth on the road. Un peu chaud aussi, c'est vrai. Là, ça commence à baisser, ça va un peu mieux, mais... Pff, ouais, c'est chaud, hein, là... Ah, il fait 29, là, dans le domicile, il fait 29. Les deux tavernes. Alors, taverne, ok, il va revenir picoler un coup, lui. Finalement, cette visite était des plus agréables. Prisca a fini par me pardonner du rôle que j'aurais pu jouer dans la décision de Bouton d'Or de devenir une héroïne plutôt qu'une hobbit casanière. Et cela m'a fait plaisir de passer un peu de temps avec mes nombreux cousins. J'ai même noté tous leurs prénoms dans la marge de mon manuscrit pour ne pas les oublier. Une fois encore, je me demande comment fait Prisca pour ne pas les confondre. Mais mes pieds sont prêts à reprendre la route. J'ai consulté la carte. Il semblerait que ce soit une bonne idée de nous arrêter à la ville de Bray. Allons jusqu'à sa porte ouest et apprécions le paysage, après quoi nous repartirons en direction des terres solitaires. En route vers l'aventure! Bon, ça tombe bien parce que du coup on va vers Bray. Alors, il faut qu'on le retrouve. Alors, on va désactiver ça, ça m'embête. Hop. Rendez-vous à la porte ouest. Ok. Alors, est-ce que j'ai un TP? Attends. Moi, je peux retourner au poney fringant avec toi. Allez, hop. On repart, comme ça ira un petit peu plus vite. Ça vous évitera le voyage, même en voyage rapide. Il y a des hobbits en Enid Waste. Ah, mais ça... Ça m'étonnerait pas, tiens, parce que du coup, les hobbits, ils sont pas originaires de la comté à la base. Le doublage d'anthologie à clipper. Eh ben, vas-y, fais-toi plaisir. Mais écoute, moi j'essaye de faire des voix pour des persos un peu importants, mais c'est pas toujours facile parce que déjà je dois me concentrer pour lire, je dois me concentrer pour essayer de rester dans le thème et surtout de faire les intonations. Alors bon, c'est pas toujours facile, mais voilà, bingo, ça va, j'y arrive. Ils avaient qu'à traduire tout en français aussi, même les voix. Salut Jarel, comment ça va ce soir? Oui, Val d'Anduin. En fait, il faudrait te mettre un truc spoiler en chef hein, quand même. Hein. Vous êtes arrivé à la porte ouest et bingo, c'est déjà fait un nouvel ami. Désolé, j'avais mis de l'eau sur mon bureau. Et comme c'est du bois, je n'ai pas envie de l'abîmer. Alors, oui, ça va. Bah, la chaleur, elle est là, mais on est bien. On est en juin, c'est l'été, on en profite. This Milo fellow seems to be perfectly friendly. C'est la première fois que je viens à Bray. Mais j'ai toujours entendu dire que les hobbits qui y vivent avaient quelque chose d'étrange. Ce Milo m'a pourtant l'air on ne peut plus amical. Il nous a invités à nous rendre à l'auberge du poney Frangon pour fêter notre rencontre. Et j'ai accepté avec joie. C'est toujours bon de se faire de nouveaux amis. Parlez à Milo Jolicorps à la porte ouest de Bray. Bingo should experience the finest tavern in all of the Breeland. Bienvenue. J'étais justement en train de discuter avec Bingo qui me racontait son voyage. Quel hobbit extraordinaire! Il me paraît donc normal qu'ils connaissent la meilleure auberge de tout le pays de Bray. Êtes-vous pas d'accord? Le poney fringant se dresse un peu plus haut sur la colline, et je pense que ce serait une bonne chose de vous reposer et de faire un peu la fête. Après tout, l'aventure de Bingo va bientôt vous entraîner dans les terres sauvages où vous n'aurez plus guère l'occasion de festoyer. Adressez-vous au vieux Prosper à l'intérieur de l'auberge, il veillera à ce que vous ne manquez de rien. Allez, on est parti! Boire une petite pinte au passage. Tu apprends l'histoire des hobbits, les différentes races. C'est un.
tu l'apprends, l'histoire des hobbits, des différentes races au travers du jeu? C'est une question que tu me poses pour me demander si quand on joue à l'Outro, on apprend d'où viennent les hobbits en fait. Alors si c'est ça, moi j'en sais rien. Dans les livres, oui. Donc j'imagine que s'ils reprennent les livres, ils veulent savoir. Après, si Glamrid, il explique que les hobbits viennent du Val d'Anduin et que c'est la dernière zone qui est sortie, certainement que vous allez rencontrer des hobbits et vous allez savoir exactement d'où ils viennent. C'est propre ça d'amener ton poney dans le truc. Hein. Oui, du coup, il est dedans. Regardez. C'est propre. Bah dis donc, s'il fait caca, hein, il faudrait que je nettoie. Alors, on va l'enlever quand même parce qu'à l'intérieur, Prosper, il va gueuler. Hein. Il y a tant à faire. Ah, lui, il est en français, lui, tiens. Bienvenue à l'auberge du poney fringant, l'ami. Mettez-vous à l'aise et ne soyez donc pas timide. Maître Beaufin a déjà trouvé une table dans la salle principale. Et il m'a prévenu de votre arrivée. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin de quoi que ce soit. Et en attendant, mangez, buvez et profitez de l'ambiance. Bien sympa, ce Prosper. D'ailleurs, je pense à quelque chose, je vous ai pas montré, mais si l'apparence de votre perso ne vous plaît pas, ou si vous voulez le faire évoluer physiquement, par exemple, pour les hommes, leur mettre une barbe, hein, qui s'agrandit, soit une nouvelle barbe, eh bien vous pouvez aller voir le barbier. Le barbier, par exemple, ici, au poney fringant, qui vous permettra de modifier l'apparence de votre personnage. Bon, pour un coup, en plus, en pièces. Donc vous n'avez pas à payer des points SDAO pour changer l'apparence. Même si bien sûr l'apparence n'est pas au niveau de d'autres MMO. Les Numénoréens sont des hommes qui ont aidé les elfes et les Valar lors de la guerre de la Grande Colère qui a détruit le Beleriand. La guerre de la Grande Colère, c'est là où Morgoth s'est fait poter le cul. Mais du coup, ça a fait effondrer le Beleriand au passage. Alors. Have some food and have some drink and sing a song or three. Ah, vous voilà! Quel superbe établissement, Rodogado! Mangez, buvez, poussez donc un peu la chansonnette. Il y en a pour tous les goûts, alors n'hésitons pas à ajouter nous aussi un vacarme ambiant en donnant de la voix. Milo me parlait de l'histoire de cette ville. D'après lui, Bray a été fondée par des hobbits alors même que la comté n'existait pas encore. J'ignore si c'est vrai ou non, mais en tout cas, Milo a l'air d'en être convaincu. C'est quelqu'un de bien, mais je pense tout de même qu'il se trompe sur ce point. J'ignore d'où viennent les Hobbits, mais nous sommes tellement nombreux dans la comté par rapport à Bray que la comté doit être la plus ancienne. Mangez, buvez, chantez mon ami. L'heure n'est pas à la dispute, même si Milo a manifestement des lacunes en histoire. Ok. J'espère. Bah, en plus, il est à côté, il parle de lui alors qu'il est à côté comme ça. C'est comme hier avec le pauvre Odvar le nain stupide, le nain bizarre. Merci. Hein. Goûtez un peu de la nourriture sur les grandes assiettes, buvez des chopes de bière et chantez dans la grande salle de l'auberge du Poney Fringant. Allez, on va se restaurer un coup. J'avais dit qu'on boirait de la bière. Eh bien, c'est le cas. Et même la quête qui nous demande de le faire. Salut Gund! Comment ça va Gundrash? Enfin, je me demandais où est-ce que tu étais passé. Ça m'étonnait que tu ne reviennes pas, mais bon après, chacun fait comme il veut. Alors comment ça va? Si tu es pas déjà reparti, parce que concours rapide, ça fait déjà 2 minutes. C'est même parce que nous, pour boire et manger, on monte sur la table. J'apporte un poney à l'intérieur. Mais bon, après, ça s'appelle le poney fringant, donc... Qui est un poney après tout? Oui, c'est vrai, d'ailleurs, après tout, c'est pas grave s'il y a un poney dans le poney fringant. C'est le nom de l'auberge. Et ensuite, grand plat de nourriture, c'est bon. Et il faut qu'on chante. Ah, j'ouvre la bouche, mais il n'y a pas de son qui sort. Pour gober les mouches? D'accord. Chanter pour la bouffe et pour la bière. Ah oui, ok. Bon bah écoute, c'est plutôt pas mal. More food, more drink, and more song. Magnifique, mon ami. Vous avez une très belle voix et je suis fasciné par la quantité de nourriture et de boissons que vous arrivez à ingurgiter en si peu de temps.
Vous ne m'arrivez pas à la cheville dans ce domaine, bien sûr, mais c'est tout de même impressionnant. Comment ? Vous commencez à caler ? C'est inacceptable. Il nous faut encore boire, manger et chanter. Vous ne voudriez tout de même pas que le propriétaire de cet excellent établissement se sente insulté, si ? Alors, encore un plat. Je pourrais en donner à Ed. Bon, après, il faut quand même que ce soit des légumes. Bah, écoute, ça va bien. T'en es en forme. Ça va très bien. Et toi alors ? Ah, et là, on mange lentement. On a du mal, hein, quand même. Et vous buvez avidement. On descend plus vite la bière. Can you be sure that Barlaman is paid for our food and drink? Ah, vous avez véritablement une voix remarquable. J'ai l'impression que votre talent ne cesse de grandir, Rodogado. Tenez, voici ma bourse. Veillez à ce que Prosper soit généreusement rémunéré pour la nourriture et les boissons, voulez-vous? Nous faisons beaucoup de bruit et il est normal qu'il reçoive ce qu'il mérite pour son hospitalité. De mon côté, je dois dire quelque chose à Milo. De quoi s'agit-il? C'est au sujet des hobbits, ça je m'en souviens. Mais sinon, Mister, pas nul doute que cela me reviendra. Bon, ben on va aller payer Prosper. Quel feignasse quand même. Même pas aller le payer ou l'appeler pour le payer. Une chose en chasse une autre. Vous remettez à Prosper des pièces que vous avez prises dans la bourse de Bingo et les accepte avec le sourire. Oh, merci beaucoup. C'est plus que généreux de votre part. C'est un honneur et un plaisir de servir les gens tels que vous et Monsieur Bingo, et Monsieur Jolicor est un habitué, vous vous en doutez. Votre groupe est extrêmement agréable. Il n'est pas rare que je doive faire descendre les gens qui dansent sur les tables, car certains s'amusent à donner des coups de pied dans la vaisselle, mais vous êtes à n'en pas douter des clients modèles. Effectivement, les assiettes étaient un petit peu collées sur la table, hein. Pas taper dedans. Alors. Oh, le con. Ah bah d'accord. There you are. Bingo was asking around for you. Ah, vous voilà. Bingo se demandait où vous étiez. Il veut que vous montiez sur la table avec lui et que vous mettiez à danser. Inutile de chercher à protester quand il est en cet état. Vous n'y couperez pas. J'aime bien, il le connaît à peine, mais il dit qu'il pourra pas le changer. Pourrais-je vous rejoindre quand vous en aurez fini avec Bingo dans la zone? Bah oui, bien sûr. Bon, bah écoutez, on va faire le mauvais élève, hein, on va monter sur la table et puis on va danser. On devrait peut-être payer Prosper. D'accord. Tenez, gardez la bourse. Qu'appuie-je pour vous? Qu'est-ce donc que cela? Encore de l'argent? Ah, merci mille fois, mais ce n'était vraiment pas nécessaire. Prosper regarde alentour d'un air conspirateur. Vous ne dansez pas si mal que ça, vous savez. Ne le prenez pas mal, je plaisante. Et encore, merci pour votre générosité, à vous et à Monsieur Beaufin. Ah, et on peut l'acheter, Prosper, en fait. Hein. Si vous avez des petites choses à faire passer en douce, vous savez qui aller voir. Hein. Bah, il est passé où, maintenant? Bah, il a dû partir pisser avec tout ce qu'il a eu. Hein. Bingo said he was feeling poorly and went outside to get some air. Bingo m'a dit qu'il ne s'en sentait pas très bien et il est sorti prendre un peu l'air. Ah non, il est peut-être parti vomir finalement. J'imagine que vous le retrouverez assoupi dans un ballot de foin des écuries proches de l'auberge. Je dois vous avouer que j'y m'y suis trouvé plus d'une fois. Vous devriez tout de même aller vous en assurer. Allez, on va aller voir si c'est... Il dort pas dans son vomi. Ouais, c'est un peu ça, oui. On le regarde faire trempette dans l'eau, on l'accompagne pour ses premières aventures, on va lui chercher ses affaires, on paye le monsieur de l'auberge à sa place. Et sa bonne, en fait. Ouais. Ah, voilà. Avec sa bonne tête de vainqueur. I do not feel very well.
This may have been a poor idea. Oh là 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 là, Rodogado. Je ne me sens pas très bien. Ce n'était peut-être pas une aussi bonne idée que ça, finalement. Bingo secoue la tête, groggy. C'était agréable de se faire de nouveaux amis, mais... Oh, je dois reconnaître que notre voyage ne débute pas sous les meilleurs auspices. Je pense qu'il vaut mieux laisser la ville de Bray et son auberge réputée loin derrière nous. Oh, oh, ma grande aventure s'arrête là. S'il faut en croire la carte, il y a une autre taverne à l'entrée des terres solitaires à l'est. Allons-y, nous y prendrons des chambres pour la nuit. Fini de faire la fête pour le moment. Cela s'est finalement avéré plus dangereux que les hauts des Galgal. Parce qu'il a trop bouffé. Non mais alors, il veut aller comme ça jusqu'à à l'auberge abandonnée. Ouais. Alors qu'ici, il pourrait dormir. Non mais on va le mettre sur Ed. En travers là, vous voyez. À côté de la mandoline et des petites boissons. Pauvre Bingo. On sait pas comment il y va, mais il y va. Hein. Alors, Viltar, viens avec nous. Droum. Et d'ailleurs, Viltar... Ouais, tu es niveau 23, ok. Donc, maintenant qu'on a fait ça, est-ce que j'ai des choses à vendre? Non, quasiment rien. Donc, on va pouvoir se diriger vers l'auberge abandonnée. Dans les terres solitaires, la lettre de Lily à Kandak. Ah, c'est peut-être ça la... Il est où, Kandak? C'est con, c'est Zimuth. Bah, il est dans les terres solitaires aussi. Donc, c'est bon. Qu'est-ce que t'as fait? N'a pas l'air si folle de joie que ça de voir vite. Mais alors que j'ai fait le truc youpi. Ah oui, d'accord. Ils font des emotes ironiques en plus. Youpi, super. Bonjour, je suis accent anglais. Bonjour, je suis accent anglais. Non mais je ne moque pas, hein. Moi j'essaye de faire un anglais qui parle français. Ou plutôt qui parle la langue commune, hein, si on veut être vraiment roleplay. Oh. Oh, le cerf blanc. Magnifique. Qu'est-ce que tu fais? On peut pas y aller. Qu'est-ce qu'il vous faut? Ah bah non, mais il faut bien qu'on découvre le passage. C'est tellement triste. Ah bah Viltar est parti. Hein. Vous allez terre solitaire? Yes! Yes, sir. We're going to the Lonely Her? Non? Ouais, essaye pas de parler en anglais. Ouais. Et ça marche mieux dans l'autre sens. Hein. Il faut qu'on essaye de le doubler, hein. Ah, on va essayer. Écoute, j'ai un bonus de vitesse de monture, 20% si tu veux. Attends, je vais tester. Mais j'utilise pour quelque chose. Mais je sais pas si ma monture elle va à 98% du coup. J'arrive même pas à te rattraper. Si ça se trouve ça marche même pas quand on a le renfort de compagnon. Fais gaffe que ce soit pas profond. Hein. Donc là, on passe dans les marais de l'eau cousin. Là, au moment où je le dis, ça s'affiche. Vous voyez que je vous mens pas, en plus. Donc c'est là où il y a plein de nique-briqueux. Il y a plein de gobs aussi. Mon perso sans doute est tout beau. D'accord, Glamride. Écoute, nous sommes contents que tu nous dises qu'il est tout beau. Mais après, si tu le montres pas, on peut pas le savoir. Hein. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Oui.
Ouais, je vais arriver à le rattraper peut-être. Je vais aller en ligne droite. Je le vois pas sur le côté. Je le vois sur la mini-carte, mais il est trop loin. Je suis à 500 mètres. Oula! Oh merde, et maintenant il m'attaque, les bestiaux. Non, il a quand même été plus rapide. Donc vous voyez que le cheval rapide, c'est quand même plus rapide. Donc quand vous l'avez, même si ça coûte quelques piécettes, ça vous permet d'économiser un petit peu de temps. Alors, on va déjà aller voir le maître des écuries. Pousse des vives. Allez voir le maître des écuries. Bonjour. Qui nous permet de revenir à Bray Sud, d'aller aux résidences du pays de Bray, ou d'y aller en voyage rapide, c'est ça. Alors, les résidences du pays de Bray, c'est comme celles de la comté, sauf que c'est des maisons d'hommes. Donc, elles se trouvent ici. Voilà. Et elle est configurée un petit peu de la même manière. Non mais alors maintenant, vous pouvez spammer les compétences, quoi. Non, je pense qu'avant, il fallait taper slash pleurer. Donc, nous sommes arrivés. Alors, peut-être qu'on va déjà aller parler à ceux à qui on a les quêtes. Bon, Ed, tu restes dehors. L'intérieur de cette auberge est sombre, silencieux. Et pas accueillant pour un sou. C'est-à-dire qu'ils font pas de bruit en fait les gens. Alors, c'est à lui qu'il faut parler. Bien le bonjour. Certains viennent dans ces terres car ils sont bannis. D'autres ne font que passer. Certaines personnes, comme moi, sont ici sous les ordres d'autres qui sont intéressés que par le profit. De quelle espèce faites-vous partie? Nous sommes des hobbits de la comté. Alors, donc on a parlé à lui. Après, il faut qu'on parle à Lily, mais ça doit être plus loin. Il est là-haut, Kandak. Ah, je le voyais pas. Alors, regardez, il était juste derrière. Et je voyais pas l'anneau. Juste derrière le lustre. Bonjour. Vous m'apportez une lettre pour Madame Lefsable? Mais bien sûr. Si seulement Madame Lefsave comprenait ce qui se passe ici, permettez de vous expliquer. Je gagne ma vie en faisant commerce avec les frères Mastiche, que vous ne manquerez pas de voir à l'auberge. Ils trouvent des reliques dans les ruines des terres solitaires et me les échangent à moi et à d'autres marchands de passage contre de la nourriture et des provisions. Nous avons affaire pendant des années sans interruption, mais les récents événements qui ont mis un terme et plus rien à vendre et je n'ai plus rien à vendre aux collectionneurs de Bray. Les Mastiches ne peuvent plus se rendre dans les ruines. Leur survie est menacée, tout comme la mienne. Et Madame Lefsable se moque de tout cela. Tout ce qu'elle voit, c'est qu'elle n'a plus de nouvelles curiosités d'Arnor pour impressionner ses amis. Et pendant ce temps, les Mastiches et leurs employés meurent de faim. Ah oui, en fait, c'est une histoire beaucoup plus grave que ce qu'elle a pu nous faire croire. Je peux vous parler un instant ? Je vais aller à l'auberge à un moment donné et vous attendre. Plus loin, je suis au Mordor. Ah oui. Effectivement, c'est pas du tout la même destination. Je vais vous parler de mes soucis. Ça va être en plus gros. Je vais vous parler de mes soucis. Qui sait, peut-être pourrez-vous m'aider. Les Mastiches m'approvisionnent en poterie et d'autres objets anciens en provenance des ruines des terres solitaires. Les Aiglins font partie des peuples vivant dans ces régions et dépendent de ce commerce pour survivre. Mais les gobelins ont pris le contrôle des ruines où ils avaient l'habitude de rassembler les pièces. Ils ne peuvent donc plus récupérer les fragments de poterie dont j'ai besoin, et par conséquent, je ne peux plus effectuer mes livraisons. Et si je ne peux envoyer de poterie à Madame Lefsable, dans la ville de Bray, je ne serai pas payé. Il y a une vallée sous les ruines de Minas Eriol, au sud-est de l'auberge abandonnée, où des loups ont été aperçus.
il est possible d'y trouver encore quelques fragments de poterie, voire quelques pièces intactes. Si vous pouviez m'en rapporter, je veillerai à ce que vous touchiez une récompense. Faites attention, les terres solitaires sont dangereuses dans ces périodes de troubles. Récupérez des fragments de poterie. Ok. Alors, on va prendre toutes les quêtes et ensuite on va reparler à Bingo. D'accord. Le temps de le laisser cuver. Auberge abandonnée, les 12 coups de minuit. Je ne sais pas si vous pourrez m'aider. Ah, eh bien, vous avez l'air d'aimer l'aventure. J'ai un problème et j'aimerais que vous m'aidiez. Apparemment, certains clients se sont plaints de terribles gémissements provenant des sols et des murs du sous-sol. Je suis sûr que ce n'est rien, mais les affaires ne marchent plus aussi bien que depuis que les gens pensent que l'auberge est tentée. Je suis trop occupé pour perdre mon temps avec ces foutaises, mais vous pourriez peut-être y jeter un œil. Si cela n'aboutit à rien, vous pourrez confirmer qu'il ne s'agit que de stupides rumeurs. Cependant, je dois vous avertir que les clients ne se plaignent pas avant minuit. Alors vous devrez attendre un peu avant d'y aller. Je vous servirai de la bière pour vous aider à passer le temps. Ok. Parlez à Olaf à propos de la bière gratuite. Donc là, ça nous permet... Oui, c'est ça. Ça nous permet en fait de faire l'instance de l'auberge abandonnée. Donc c'est une instance à 3 qui comporte de nombreuses énigmes et qui est assez intéressante. Mais encore une fois, on va pas la faire là en live parce que même si on est 3 dans la compagnie, bah, déjà on n'est pas petit et en plus ça risque de mettre du temps. Donc on va plutôt faire les quêtes comme d'habitude. Excellent, vous allez nous aider. Très bien. Ah oui, la bière gratuite, une fois que je commence à la servir, j'ai l'impression que le temps passe plus vite. Asseyez-vous et dégustez. Cette instance est gratuite pour les membres VIP, mais les autres joueurs doivent tout d'abord l'acheter. Bon, nous on l'a jamais acheté, donc on a pu la faire à chaque fois que quand on était VIP, sauf qu'on l'a même pas fini. Si ? Ah si, je crois qu'on l'a fini, si. On a dû la finir, elle est assez sympathique. Mais je crois qu'on était beaucoup plus haut niveau que là où on l'avait mis et c'était pas intéressant. Le chariot manquant. De m'accorder un moment. Après que je le... Bah écoute, fais-toi plaisir. Hein. Le chariot manquant. Bonjour, de quoi avez-vous besoin? Vous ai-je demandé de venir? Cela n'a pas d'importance de toute façon. Mes provisions ne sont pas revenues de Bray. J'ai envoyé un chariot il y a une semaine. Ou un peu plus, je ne me souviens pas. Mais je l'ai envoyé, ça c'est sûr. Et où est-il passé? Dites-le-moi. J'ai envoyé le chariot à l'ouest en direction de Bray. Il aurait dû être revenu maintenant. Il me faut savoir ce qui est arrivé au conducteur et à la cargaison. J'espère que ce n'est pas un coup des gobelins. Ils sont si nombreux dans la région ces temps-ci. Accepteriez-vous de m'aider en vous rendant à l'ouest en direction de Bray? Effectuez des recherches au nord et au sud de la route. Et tenez-moi au courant si vous découvrez quoi que ce soit. Donc il faut trouver le chariot manquant ainsi que le conducteur du chariot manquant. Alors, on va parler... au frère Mastiche. Qu'est-ce qu'il dit? Cet endroit a une odeur de vieux, de vieux champignons et de chiens mouillés. Ça me met dans l'ambiance. Hein. Alors ça, c'est quoi? C'est encore une quête d'artisanat. Bon, on peut la faire parce que les gobelins, à mon avis, en vont tuer. Les fourreaux de gobelins. Mes ordres sont clairs. Prendre une revanche mesurée sur les gobelins. Je pense toutefois que ce n'est pas assez. Ces monstres sont responsables de la mort de nombre d'entre nous, et je veux leur faire subir ce que nous avons enduré. Je vous paierai en objet d'échange, et vous aurez la reconnaissance des miens si vous acceptez de m'aider. Tous les gobelins, du nord-est de ce campement jusqu'aux profondeurs de Minas Eriol, portant des fourreaux feront l'affaire. Ils les utilisent pour ranger leurs dagues meurtrières. Trouvez-moi les gobelins, récupérez leurs fourreaux, et rapportez-les-moi. Je veillerai à vous récompenser. Bon, ça a l'air assez facile. Quand les chasseurs deviennent proies. Je ne sais pas si vous pourrez m'aider. Notre peuple a enduré 1000 horreurs sous les crocs et les griffes des wargs menés par les fouets de leurs maîtres. Ces monstres féroces ont dévoré un grand nombre de membres de ma tribu, même ceux tombés au sol et proches de la mort. Ces bêtes doivent être châtiées pour redonner aux miens leur force d'antan. Les wargs vivent dans les ruines de Minas Eriol, la terre qu'ils ont volée à mes ancêtres. Nous devons les humilier et ramener leur queue pour montrer qu'ils sont faibles. Traquez les wargs et ramenez leur queue pour que je puisse à nouveau voir les sourires rares des membres de mon peuple ayant survécu. D'accord, bon bah on va couper les queues mais, des wargs. Mais
parle de Mina Syriol, la Silérine, des Numidoriens. Oui, mais oui. Et des ruines de Numidoriens. C'est ses ancêtres. Donc ça veut dire que c'est un Numidorien. Non, je pense que c'est des hommes qui se sont installés là depuis longtemps et qui sont considérés comme étant les Aiglins, mais bien sûr que ce soit des Numénoriens, parce qu'ils seraient beaucoup plus balèzes. Les seuls Numénoriens qui restent, c'est les rôdeurs, tant que je me trompe. Salut Artiseuse, bonsoir à toi, est-ce que tu vas bien ce soir? Alors, un vol important. Désolé de vous déranger, vous pourriez m'aider? Oui, je me nomme Gadaric et je fais partie des Aiglins. J'échange avec les collectionneurs de Bray les artefacts que nous trouvons dans les terres solitaires contre la nourriture et des produits de première nécessité. Notre commerce était assez florissant, mais depuis quelque temps, les ténèbres se sont abattues sur le pays et la famine guette les Aiglins. De plus, les gobelins se sont infiltrés dans les terres solitaires, ce qui ne facilite pas nos affaires. Ils nous ont attaqués et se sont emparés d'une grande partie de nos marchandises. Les ruines de l'ancien royaume d'Arnor se dressent en surplomb d'une large vallée au sud-est de l'auberge abandonnée. Cet endroit se nomme Minas Eriol. Il comptait énormément pour mon peuple autrefois. Pourriez-vous aller là-bas et récupérer nos ballots de marchandises dans les caisses pour les ramener? Ces caisses sont tout ce qu'il reste de notre dernier chargement. Donc en fait, ils se sont fait voler leur chargement par ces foutus gobelins. On peut comprendre qu'ils leur en veuillent et qu'ils veulent récupérer les fourreaux. Vengeance pour les Aiglins. Désolé de vous déranger, vous pourriez m'aider. Notre peuple a subi une attaque qui a causé de nombreuses pertes. Qui sait combien encore seront morts de famine avant la fin de l'année? Les gobelins doivent payer leur traîtrise. Vous semblez habitué au combat. Accepteriez-vous de vous rendre dans les ruines de Minas Eriol situées au sud-est de cette auberge et de tuer tous les gobelins que vous pourrez trouver? Les Aiglins méritent vengeance. Et alors son frère, qu'est-ce qu'il nous donne lui? Je peux vous parler un instant? C'est pas son frère. Ah oui, ah non, falsetier, d'accord. Mais je sais pas, il a dit le frère Mastiche. Non, il est tout seul. Oui, mais il y en a qu'un. Ah d'accord. Bon, ben, autant pour moi. Je sais pas où il est, l'autre. Bon, ils étaient à côté, j'avais pas les noms. Alors, la requête de falsetier. Je gagne ma vie en faisant affaire avec les clients de l'auberge abandonnée, ou plutôt, c'est ce que je faisais avant l'arrivée des gobelins. Leur présence terrorise mes fournisseurs habituels, et du coup, il devient impossible de vivre de ce commerce. C'est triste, mais ça n'a pas supprimé mes obligations envers Oli Buisson Rouge, mon employeur dans la ville de Bray. Une vallée sous les ruines de Minas Eriol, au sud-est de l'auberge abandonnée, recèle des pièces de monnaie, des biens de famille dont j'ai besoin, et plus encore. Des loups vivent dans ces lieux, et Oli me pardonnera peut-être mon retard si je lui fais cadeau de dents de loup en parfait état. Si vous m'aidez à en récupérer, je veillerai à ce que vous touchiez une récompense pour votre peine. Allez, allez dans la vallée de Minas Eriol et récupérez des pièces de monnaie, des biens de famille et des dents de loup pour moi. Alors ouais, on récupère quand même des trucs qui peuvent se rendre super chers, et au final, il nous paye que 8 pièces d'argent. C'est un peu radin, hein. Mais bon, après, c'est un commerçant. Oui, nouvelle région, et ça va bien. Alors, Arinora. Oh, c'est sympa, ça, comme nom. Arinora. Ça sonne bien. Et couverture en poudre-le. Ça ne mènera sûrement à rien, mais je pourrais vous parler? Oui. Il y a trop de voyageurs, même dans ces terres éloignées, et le point d'eau le plus proche est vicié et stagnant. Nous avons le puits, bien sûr, mais l'eau est rationnée pour tous les hôtes, et on ne peut pas étendre les réserves. Il faut fabriquer et repriser les couvertures. Il n'y a pas mieux que les peaux de loup pour ce faire. Celles des wargs sont trop épaisses, alors que les fourrures des loups peuvent être adoucies avec un peigne. Si vous avez le temps et le courage, je souhaiterais que vous m'aidiez. Loin de moi l'idée de chasser les loups à travers les buissons, ils sont bien trop dangereux. À certains endroits, il y a des loups dont la peau serait parfaite. Ils errent dans les ruines de Minas Eriol au sud. Cet endroit grouille également d'ouargues et de gobelins. Les loups chassent aussi dans les collines venteuses, au nord et à l'est. Vous pouvez encore aller plus au nord, mais les gorges de l'eau aux cousins sont dangereuses et infestées de créatures bien pires que les loups. Quand vous aurez les peaux de loups, revenez me voir et je veillerai à ce qu'on vous récompense. Ah oui, c'est bien, en plus ça nous donne de la bouffe. J'ai pas capté le rapport avec l'eau. Oui, je sais pas, oui, mais non plus. Il faut fabriquer des couvertures et elle nous parle de... Elle nous dit pas qu'il fait froid en fait. Donc, je sais pas. Au début j'ai cru qu'elle parlait des pots, des pots pour qu'on puisse filtrer l'eau. Ça me paraît assez bizarre, mais non, même pas.
des oreillers bien rembourrés. Je ne sais pas si vous pourrez m'aider. Ça fait 20. 20 à tes auberges, t'as combien de quêtes là? Ça fait 20. Non, mais là, je comprends pas. 20 têtes. Une vingtaine à l'auberge, t'as combien de quêtes? Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de quêtes, hein, ça, je vous le garantis, mais aussi elles sont toutes au même endroit, donc c'est l'avantage. Depuis que Gadaric Mastiche est arrivé, je n'ai pas le temps de me reposer. Normalement, on ne voit pas de clients pendant des mois. Mais là, j'atteins mes limites. Anlaf est terriblement surmené, et c'est moi qui trinque. Il veut qu'on s'occupe des chambres, qu'on surveille les employés et qu'on nourrisse les autres. Eh bien, je ne peux pas tout faire. Il reste encore à changer les oreillers. Beaucoup ont perdu une grande partie de leur rembourrage à force d'être utilisés. Et il me faut faire quelque chose pour réparer ça. Pour ce qui est du duvet, il n'y a pas de canard dans la région, hélas. Mais les crébins du nord devraient faire l'affaire. Les crébins cerfs de ronce et œil de lynx sont nombreux dans les environs. Apportez-moi leurs plumes et je vous récompenserai pour votre peine. Les oiseaux survolent souvent les sommets du Mont Venteux. Des pieds et des os. Je ne sais pas si vous pourrez m'aider. Ici, c'est le vieux Larmoise qui fait la cuisine. Mais je connais moi aussi certaines recettes qui plaisent à nos clients. La dernière en date, par exemple, a connu un vif succès. Mais nos rares cochons sont enfuis dans l'agitation de ces derniers jours et il m'en faut pour préparer cette recette. Il me faut des os et des pieds de sanglier. Je ne vous donnerai pas ma recette, mais je peux vous dire que la moelle des os renforce le goût des pieds à la cuisson. Il suffit ensuite de dépecer les pieds et de les saler pour obtenir un mets savoureux. Vous devriez trouver les sangliers dans les alentours ou au nord-est dans les collines venteuses. Et attention, car tous les pieds ne sont pas mangeables. Ah, il faut récupérer des bons pieds, quoi. Bon pied, bon œil. Et Lieva Aigrelisse. Je peux vous demander de m'accorder un moment. Tabard de gobelin. Je ne suis pas seulement la serveuse et la femme de chambre de l'auberge, je sais également me servir d'une aiguille. En ce moment, je confectionne une petite surprise pour les gobelins qui nous encerclent, comme Anlaf me l'a demandé. Cela fait plusieurs semaines que j'essaie de finir cet épouvantail, mais je ne trouve personne qui accepte d'aller chercher ce dont j'ai besoin pour l'achever. Il ne me manque simplement que des tabards de gobelins. Si vous le voulez bien, rendez-vous dans les ruines de Minas Eriol, au sud-est, ou dans les plaines d'Anunlos, et rapportez-moi pour que je finisse cet épouvantail. Donc ça, c'est une quête d'artisanat, encore une fois. Il y en a quand même pas mal, hein, quand on cherche, on les trouve. Bon, et enfin, Bingo, qui est arrivé dans cette auberge. Avec sa bonne tête, non mais franchement... Ils auraient pu pas lui faire sortir les dents, quoi. I cannot imagine a more different common room than the ponies. La grande salle... Allô. La grande salle de cette taverne est vraiment à l'opposé de celle du Poney Fringant. Celle-ci est oppressante et pas accueillante pour un sou, j'en ai peur. Mais c'est peut-être pour le mieux, vu que les excès que nous avons fait à Bray ont bien failli me mettre un terme définitif à mon voyage. This is a still and silent crowd, except for those two. Oui, elle est plutôt bien peuplée. Elle est abandonnée parce qu'elle est pétée au niveau du toit, mais c'est tout. Et d'ailleurs, faut pas qu'il pleuve, hein, parce que c'est en plein sur la bouffe. Voilà une clientèle bien silencieuse. Difficile de faire plus différent que celle du Poney Fringant. Milo était extrêmement amical, et j'espère que notre rapide départ ne l'aura pas perturbé. Mais il est important de ne pas trop nous habituer au confort, sans quoi c'est tout notre périple qui sera remis en cause. Je sais bien que j'ai dit que ce lieu était sombre et peu accueillant, mais regardez un peu ces deux-là, dans le coin. Ce sont des personnages hauts en couleur qui tranchent avec le reste de la clientèle. Allons donc voir ce qui les met dans cet état, voulez-vous? Alors, il parle de qui? Ok, il parle d'une sorte de ménestrel. Avec, ouais, elle a l'air de se faire chier celle-là, dis donc. La pote du pied, là. Ah, regardez, c'est pas mal ça. Ah, c'est pas mal comme porte-manteau. Une tête de loup. Ah, ouais. Excellent. Ah, je sais pas si on peut l'avoir dans le jeu, celui-là. On va faire une requête. Alors. It's always a pleasure to speak with admirers. Théodore Lajon. Eh bien, bonjour. Puis-je vous aider? À moins que, oui, vous avez dû entendre mon nom. Et vous voulez que je vous conte mes exploits. C'est toujours un plaisir de rencontrer des admirateurs. J'étais justement en train de narrer à Allée que voici quelques-unes de mes plus grandes prouesses. Comme vous pouvez le voir, cela la captive au plus haut point, et nul doute que vous trouviez cela tout aussi passionnant.
Un rapide coup d'œil en direction d'Allée près d'où vous permet de constater que son enthousiasme a peut-être été exagéré. Oui, je suis bien le grand Théodore Lajon, maître chercheur de trésors et arpenteur des contrées sauvages. S'il y a un trésor à trouver dans le coin le plus reculé de ce monde, vous pouvez être sûr que j'ai déjà mis la main dessus. Mes exploits sont nombreux et connus de tous, et mes qualités sont tout autant. Je suis tellement expérimenté dans mon domaine qu'il ne me reste plus qu'une seule chose à faire, prendre ma retraite. D'accord, et raconter de belles histoires, bien sûr. Theodore claims to be a master treasure seeker, loudly and often. Théodore prétend être un maître chercheur de trésors et le répète tant et plus à qui veut bien l'entendre. Hélas, on dirait bien qu'il a jeté son dévolu sur moi en ce moment. N'importe qui peut prétendre être un excellent chercheur de trésors, n'est-ce pas? Une profession qui est ouverte à tous après tout. Mais il ne suffit pas de se vanter de pouvoir trouver des trésors. Encore faut-il y parvenir. Ce que j'aime beaucoup sur le trot, c'est qu'il y a des détails comme ce loup à terre, on le voit qu'en fouinant un peu. Oui. Oui, effectivement, là c'est la première fois que je le vois. Hein. Je peux vous le dire, on y est passé pas mal de fois, et j'ai jamais fait gaffe qu'il servait de porte-manteau. Alors que de l'autre côté, ils auraient pu utiliser une corne pour suspendre quelque chose. Et c'est même pas mis droit. Il y a des trous partout. On peut regarder vite fait le reste, mais... Même les chaises, elles sont renversées. Quoi. Et après, il dit qu'il est occupé de partout. Hein. I have had a great idea. Theodore could train me to become a treasure seeker. Théodore est un maître chercheur de trésors. Voilà qui est très excitant et qui aurait tout à fait sa place dans le récit de mes aventures. Oh, je viens d'avoir une idée, Jenny Rodogado. Voulez-vous bien demander à Théodore s'il accepterait de me former pour que je devienne à mon tour chasseur de trésors? J'ai bien réfléchi et pour le moment, mon manuscrit raconte surtout ce qui se passe dans les tavernes. Mais c'est sûr, on n'arrête pas de les faire. Mais si je deviens chercheur de trésors, cela nous donnera une excellente raison de nous aventurer dans les contrées sauvages. Et puis, mon journal n'en sera que plus passionnant à lire. Voulez-vous bien lui demander, s'il vous plaît? Mais pourquoi tu vas pas lui demander toi-même? T'es juste en face, là. What's that? Your hobbit friend wants to become a treasure seeker? Qu'entends-je? Votre ami hobbit souhaite devenir chercheur de trésors? J'aimerais beaucoup faire son apprentissage, mais hélas, il s'agit d'un art qui n'est pas facile à enseigner. S'il n'a pas des aptitudes nécessaires, il n'apprendra jamais rien d'utile. De plus, je suis sur le point de prendre ma retraite, après quoi, je compte bien passer mon temps à régaler Allée, que voici, du récit de mes palpitantes aventures. Et j'apprécierais que vous nous laissiez seuls pour cela. Super. Théodore s'interrompt un moment, pensif, puis son ton se fait plus conciliant. Pardonnez ma brusquerie, tenez, prenez cette énigme. Elle conduirait apparemment à un trésor qui se trouve quelque part dans les terres solitaires. Je n'ai jamais réussi à mettre la main dessus. Si votre ami et vous y parvenez, j'aurai sans doute des choses à vous apprendre. Au revoir et bonne chance. Trouvez la cassette cachée sur laquelle Théodore n'a pas réussi à mettre la main quelque part dans les terres solitaires. Peut-être une quête où il faut chercher. Ou tant un petit parchemin sur lequel une énigme est écrite. Énigme de Théodore. Le torrent s'écoule, uniquement recouvert des ombres du seul matin. Une sentinelle veille depuis les hauteurs, seule à encore observer. Autrefois, l'écureuil osait tendre l'ascension, mais tenter l'ascension, mais le temps finit par tout faire tomber. C'est pas facile, hein. Ouais, alors j'aurais dit Amon Soul. Ouais, moi aussi. J'aurais franchement dit la tour de guet d'Amon Soul. Ça occulte le fleuve. En plus, il parle d'ascension, donc faut monter, et puis des ruines. Bon, ben, on repart avec un bon paquet de quêtes quand même. Ouais, mais c'est presque tout au même endroit. C'est ça. Alors. Ah, il faut aller à Minas Tirith déjà. Voilà, comme ça, on va faire toutes celles qui sont là-bas. Et on va remettre Ed. On pourrait pas lui changer son nom parce que... Ed, c'est pas fou. C'est une aide de camp. Ah.
attends, il y a des quêtes dehors. Oh, fichtre. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait un mec de dehors sur sa chaise. Avec un chat en plus. Restez un peu. Acte noble. Bonjour, jeune hobbit. Je suis l'agent de l'ordre de l'auberge abandonnée. Mon corps est trop vieux pour l'aventure, mais mon esprit est assez jeune pour savoir qu'il y a fort à faire dans les parages. Au nord, après le mont Venteux, se trouvent des loups et des orques dans les gorges de l'eau, cousin. Et des sangliers dans tout le Anunnos qui causent tous les problèmes sans nombre. J'ai une proposition pour vous. Éliminez ces menaces. Si vous me rapportez les preuves de vos faits, je m'arrangerai pour vous récompenser. Qu'en dites-vous? Bon, bah ouais, voilà. Rien d'extraordinaire, encore nettoyer la zone. Mais cette fois-ci, pas du même côté. Oui, oui, oui. T'inquiète pas, on va le croiser certainement. Puisque de toute façon, il y a quelque chose qui nous y emmènera. Ah mais d'ailleurs, il faut qu'on tue des sangliers. Hein. Pilier de comptoir. Vous avez passé dans les... votre temps dans les tavernes. C'est pas mal ça comme titre. Alors, hop. Dans... C'était un loup? Pourquoi? Oui, ils sont fufus. Ah d'accord, mais je sais pas, je voyais Viltar en train de taper un sanglier, puis là je vois dents de loup obtenu. Bah, on en avait peut-être une de coincée sur lui, hein. Alors d'accord, on gagne aussi la réputation, ça je m'en rappelais plus. La réputation en tuant des gobs. Bon, 8 de réputation, c'est pas énorme. Ah, on a eu un objet de quête, pendentif poli. Le pendentif. Le pendentif scintille au soleil. Il ne s'agit pas d'un objet fabriqué par les gobelins. L'ouvrage est trop parfait et trop symétrique. Quelqu'un a dû le perdre récemment. Peut-être que Candace ou quelqu'un à l'auberge abandonnée, c'était quelque chose à son sujet. On verra bien, ça doit être une autre quête. Ouais, ça fait plus réaliste avec Ed qui nous suit. Même si il galope bizarrement quand même. Il y a qui glisse un peu. Ok. Ok, Glamrid. Alors, ici, il va falloir qu'on récupère des poteries, des pièces, qu'on tue des wars, etc. Je pense. Ah, des fufus. Oui, j'ai Viltar. Ouais. Il est des nôtres. Il est monté de niveau comme les autres. D'accord. Voilà, par contre. Il y en a plein là. Putain, il y en a 3. Attends, je suis en combat. Ils étaient tous les 3 à un endroit. Putain, quand ça tombe dessus comme ça, faut faire gaffe. Hein. Putain, ça marche pas pour nous. Mais allez, quoi. Vous cliquez droit dessus. Bah, merci. Non, mais je sais pas, j'ai pas pu faire tout prendre. Mais quoi? Ouais, j'ai dû prendre au fur et à mesure, j'ai pas compris. Bah, moi, j'ai rien pu prendre. Tu parles de quoi, toi? Des gravats. Enfin, Ed est quand même super prêt, hein, c'est dangereux. Un warg. Je suis en train de penser que je crois que j'ai pas la bonne voix. Oui, c'est ça. Je suis en mode tanking alors qu'il faudrait que je me mette en mode DPS. Attendez, je change un petit peu mes comps. Ça va être ici.
Et ça, c'est de l'agro, ça peut rester là. C'est bon. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres ici? D'autres ici, ça me fait penser à d'autres acquis. Ah oui, là, il y a des araignées carrément de ce côté-là. Les ruines d'Ador. Là, c'est ça, faut cliquer droit. Là, si vous n'y arrivez pas avec tout prendre, faites un clic droit. C'est comme ça que ça marche. Ou des flûtes. Là-bas, des fragments. Je me rappelle que cette quête pouvait quand même être assez longue avant. Il fallait attendre que ça repop. Et c'était pas forcément facile parce que vous pouviez avoir justement les crocs jaunes qui vous sautent dessus. Pendant que vous étiez en train d'attaquer quelque chose d'autre. Ah, mais là, il y a un crochet. Ah, il y en a un pas loin. Là, c'est intéressant parce que, au moins, on voit pas tout de suite où ils sont. Du coup, faut quand même faire attention. Pas foncer dans le tas si... On n'est pas trop sûr de soi. Ah, terminé, protection de gardien. Cool. Frapper les ennemis avec protection de gardien. Donc c'est celle-là. C'est pour ça que je m'embête pas à les faire tous les jours. Tous les jours, un petit peu comme je vous expliquais que vous pouviez le faire au niveau des mannequins d'entraînement. Parce que si vous faites les différentes comps, vous ne faites pas toujours les mêmes. Par exemple, je pourrais faire toujours ces trois-là. Mais non, je fais vraiment toutes les comps dès que je peux. Et puis comme ça, le plus souvent, ça arrive à stacker suivant le nombre de combats qu'on fait en fait. Là, il me reste encore des queues de warg, des héritages. Ah, c'est vrai que c'est quand même dangereux hein, pour des marchands. Ah bah ça y est, il est arrivé, Glamrid. Et il s'appelle Glamrid. Et il a mis sa belle armure. Oui, effectivement. Ah, avec Grignette. Ah, c'est bien mignon ton petit écureuil. Non, ouais, mais il est classe en perso comme ça. Avec la cape de Minas Tirith. Ah oui. Non, c'est vrai que j'aime bien cette armure. Enfin, en tout cas pour un homme. Pour un hobbit, je pense que ça donne pas super bien. Et pour un homme, c'est vrai qu'elle est chouette. Et tu l'as teinte celle-là? Donc là j'ai fini. Hop, oh, d'accord, ok. Je peux quand même la récupérer, mais j'ai fini. Donc gravat. Tu l'as aggro carrément. Écro jaune, c'est peut-être pas la peine. Non, c'est l'armure que j'ai eue lors de la bataille des champs de Pelennor. Ah ouais. Monsieur Klaas, ça donne envie en tout cas. Alors, on va désactiver celle qu'on a eue. Celle qu'on a finie plutôt.
On désactive, on active les autres. La balle, le vol. Alors la vengeance, oui, mais j'en ai trop. Apporter des couvertures en peau de loup. Des couvertures en peau de loup pour puiser de l'eau. Bien, je crois que c'est plutôt bon. Pour vous aussi, ça clignote encore? Au niveau des gravats? Ouais, et quand j'ouvre, c'est rouge. Bon, bah ok, c'est que c'est nickel, c'est que ça a bugué. Mais déjà, c'est pas normal qu'on puisse pas tout prendre. Bon, alors ensuite, nous avons les gobelins à éliminer. Mais il est où, Ed? Et pourquoi il dit s'est enlevé? On va pas se faire taper normalement. Même pas le cibler. Bah, peut-être que tu l'as bloqué. Oh, ça me fait penser d'ailleurs. Bah attends, je vais faire suivre sur toi. Il faut que je retrouve l'option. Parce que ça m'agace depuis un petit moment. L'option pour désactiver le nom des montures. Pas des montures, mais enfin des créatures. Alors on peut les désactiver complètement, comme ça on les voit pas. Donc là si je l'active, ben, je verrai pas celle des autres. Mais bon, ça m'intéresse quand même de voir celle des autres, parce que comme ça, ben, je les rencontre. Assez sympa. Mais il y en a aussi, il y a une option pour ne pas les voir. Pour pas voir les noms. Là, dans les paramètres IU, afficher nom de mes créatures apprivoisées. Moi je le désactive. Et nom des créatures apprivoisées des joueurs, je le désactive. Comme ça c'est mieux. Parce que des fois j'aime bien cacher des trucs qui servent pas vraiment à grand chose. Là par exemple le titre des joueurs, je verrai juste Yoba. Des fois pour les instances c'est plutôt pas mal, parce que comme ça vous êtes vraiment concentré sur ah oui là Yoba elle est là, et je me trompe pas avec Ultar parce qu'ils ont le même titre. Là on peut le laisser, hein. Pour l'instant c'est pas gênant. Alors on récupère des caisses. Aïe. Ça pique ça. Ah, on se bat pour le ballot de marchandises quand même. Ouais, mais là ça va un peu tout court. Oui. C'est partageable. Ah, je vois vos ombres se battre là-haut. Désolé. Mais on est suivi en plus. Ah, il y a un coffre aussi. Bon, on commence par le coffre. Soyons cupides. Devenons riches. Non, je rigole, ouais, je suis déjà. Ouais. Complètement. Je l'assume. Alors, il y en a aussi sur le côté là-bas. Attends, même ici. Là. Du coup, c'est bien parce que je peux les mettre sur ma petite monture d'ornementation. Alors 8 sur 10, ici. Et je crois que c'est bon. Ouais, c'est bon pour ça. Ensuite, donc on désactive toutes celles qu'on a faites. Le chariot manquant, oui, effectivement, il y avait le chariot à aller voir en direction de la ville de Bray. Les pieds de sanglier, tuer des crébins, on n'a pas commencé encore. Et les sangliers et les boucliers d'orques. Tac, ok, donc c'est plutôt pas mal. Il manque une marchandise, moi. Ah merde, je vais faire un échange.
Que voulais-tu échanger? Les brides? Bon. Bon. Ah d'accord, pour t'appeler. Mais t'es... Putain, j'ai pas fait gaffe, t'es gardien toi aussi? Putain, c'est que t'es gardien. Non mais avant, les gardiens, on les cherchait quand même. Hein. Maintenant, il y en a plein. Cherche. Oui, carrément. Mais... Et un peu plus de DPS aussi. Je suis quand même content que mon main soit un capitaine. D'ailleurs, j'y ai repensé. En fait, on aurait pu, mais... par rapport à là où il aurait commencé, ça aurait pas été top. Mais on aurait pu vous montrer les Béornides, parce qu'on a les Béornides. On avait même commencé des Béornides qui sont au niveau 27. Donc, on avait fait pas mal de choses. Et on avait d'ailleurs pris la pierre de la tortue avec eux. Sauf que, bah, en fait, on avait pris la pierre de la tortue, mais on lisait pas les quêtes. Donc, c'était un peu inutile. Mais effectivement, on aurait pu prendre aussi les Béornides, parce que, comme je vous ai dit que les Hobbits, ça faisait tout de suite penser au Seigneur des Anneaux, et bien les Béornides aussi, puisque c'est une race qui n'existe que dans les Seigneurs des Anneaux. Après, il y a des hommes ours qui peuvent exister ailleurs, hein, ou des change-formes, j'en sais rien, mais les Béornides, exactement, sont que... Plutôt dans l'univers de Tolkien, excusez-moi. Tue ce cochon! Oh. Ah oui, il était silencieux, celui-là. Il a esquivé! Ah, c'est marrant des fois quand ils font des esquives comme ça. En plus c'est des bonnes esquives, hein. 100 PV en moins, pas rien. Un peu comme le cambrioleur Hobbit quand il fait avec le bonus d'esquive. Vous voyez, sautiller sur place, ça j'adore. Oh, mais tu m'as filé 25 PO mais j'ai même pas fait gaffe. Mais je suis tellement riche avec toi maintenant. J'atteins bientôt les 200 PO, hein. Non mais... je sais pas, il va falloir que je me mette un nom, le Richou ou un truc du genre. Eh bien merci, Labrine. Merci encore de ta généreuse donation de pièces d'or. Je vais regarder dans les titres si j'ai quelque chose. On retrouve d'abord les coupins. Alors, titre. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Ça pourrait être Rodogado le pédant. Je vous regarde de haut parce que je suis riche maintenant. Tenez, Vilfaquin. Alors, officier... Effort... Ah ben non, non, ça suffit, hein. Qu'est-ce qu'il veut filer encore? Surveille, cette fois-ci. 50. Non mais c'est trop, là. C'est trop, tu vas devenir pauvre après. Je vais me sentir coupable. Bah attends, tiens, en échange, je te file un coffre. Ça vaut bien 50 PO. Parce que de toute façon, j'ai plus de clés pour les ouvrir. Si toi, t'as des clés, si tu veux en acheter. Bon, mais merci, hein, mais voilà. Voilà, maintenant, je suis trop riche. Bon, l'avantage, c'est que ça fait pas du PL, du power leveling. C'est juste avoir de l'argent en plus. Léo, protecteur, veilleur... On n'est pas dans la zone. Elle est où la zone? Plus haut. Chasseur de pages. Attendez, je vous rejoins. L'âme charitable, le pré, pilier de comptoir. Non, j'ai pas de titre encore qui pourrait faire. Qui pourrait montrer mes richesses. Mais peut-être que avec l'event qui va y avoir fin juillet sur la chasse au trésor, il y aura peut-être un titre à avoir. Comme ça, c'est pour avoir Limone d'être riche. Oui, oui, effectivement. Et Limone. Avoir le poney ou la chèvre avec des sacs d'or. Ça pourrait être sympa. J'ai combien de PO? Beaucoup trop. Beaucoup trop de PO. En fait, ceux-là, on les tue, mais ils nous donnent rien. Tu as 244. Non, on n'est pas dans la zone encore. Montez. En plus, ils nous donnent vraiment rien. Enfin, si, peut-être un petit peu de stuff d'artisanat.
Parce que on gagne pas d'XP, comme on a bloqué l'XP. Et Ombur, toi tu as bloqué l'XP? Oui c'est bon. Du coup en fait je pouvais vérifier moi-même. Rends-moi mes saucisses! C'est le gobs! Juste, est-ce que vous trouvez pas quand même que les gobelins, là, en tout cas ceux-là, ont vraiment une tête de poisson? Non, ils marchent pas. Bah, il a quand même voulu les attaquer. Il voulait des saucisses, c'est pour ça. Moi, je trouve qu'ils ont une tête de poisson parce que ils ont les joues creuses et les gros yeux globuleux. Ça fait. Tueur de crébin. Ah. Est-ce que c'est des crébins du pays des dindes? Mais non, pas ceux-là. C'est des œils de lynx. Et des... Je sais pas comment ils appellent. Attends, non. Et des cerfs de ronce. Alors, œil de lynx, je veux bien, mais cerf de ronce... Par rapport avec quoi? C'est parce que les cerfs, c'est vachement mal. Ouais. Ouais, peut-être. Alors, en fait, moi, j'ai juste à avancer et ils sont déjà morts. Parce que t'es un feignant. Feignant, non. Parce que vous êtes trop efficace. C'est parce que t'es lent, alors. Donc, encore d'autres à désactiver. Faut monter maintenant. Ah, mon thé qui est aussi bon que bu dans de l'eau froide. C'est quelle quête qu'il faut monter? Ah, c'est pour les. Ah, c'est parce qu'il faut des boucliers d'or. Bah, attends. Allez, on va trouver des orques. Ah oui, attends, attends, Viltar, attends. Elle va les pister. Oh, mais j'ai vu que j'avais... Ouais, j'ai pas changé de monture ici. Oh, c'est pas grave, comme ça, ça me permet de voir que je suis pas du tout dans la même posture. Ouais, bouclier d'orc. Mais Viltar est super loin. Viltar nous a abandonnés. Un peu de nerf, vermine. Je vous envoie à la souffrance. Il y en a un autre là-bas, derrière. Super, ça l'a pas pisté. Génial, pisté. Ah, j'ai pas pu lui faire mon super coup. Bon, il vous faut une cible valide. Oui, il est mort un peu trop vite. Je vous le dis, j'ai vraiment hâte d'en chier. Hein. Franchement, d'avoir des quêtes qui sont à notre niveau et où les ennemis sont vraiment difficiles. Et sans tricher, hein, parce qu'on pourrait très bien faire des trucs qui sont bien plus haut niveau. Mais ce serait pas intéressant. C'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai deux coffres encore. Encore ? Voilà, mais ils en ont ajouté partout, hein. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Moi, il me faut le chariot maintenant. C'est bon. Ok. Allez. Go to the chariot.
Ah oui, mais Viltar, il va pas aussi vite que nous. Ah oui, c'est vrai. On pensait à mettre l'odeur des roses. Diamond, il s'est cassé la patte pour être à la vitesse. Il y a un gobs qui suit. Triche, il est en monture de guerre. Bah oui, attends. Il est venu là pour montrer son stuff, hein, Glamreed. Donc il montre aussi sa monture de guerre. Ah, c'est plus joli ici. Maintenant que tu es tout beau avec ton armure, Glamreed, il va falloir que tu fasses de l'ornementation pour ta monture de guerre. Là, elle est quand même classique, hein. On peut l'équiper un peu plus, hein. Alors tu vas me dire, oui, c'est comme ça, là, elle est plus optimisée pour courir, elle va plus vite, c'est léger. Mais non, non, tu peux lui mettre des décorations qui lui permettent d'être encore plus jolie. Ah mais c'est les marées, là, que j'entends. J'ai cru que c'était dehors, IRL. Ça, c'est tous les crapauds, on dirait un concert de crapauds. Ouais, il résiste plutôt bien le cops quand même. Un petit camp de cops. Ah ceux-là, regardez, ils ont pas la même tronche. Bon, ils sont laids, hein, tout à fait, mais. Bonjour. Sérieux de regarder ça comme ça? Ah la tronche quoi. Il le tient du bout des ongles. Il est gobelin jusqu'au bout des ongles. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oh non, le conducteur est mort. Oh, il a dansé sur son cadavre. Oh. Mais regardez, c'est dégueulasse. Il est ventré. Ah, dis donc, il y a plein de sang. C'est crado, en tout cas. Et le chariot, il est où? Non, mais t'as pas du tout suivi la quête, tu nous as suivi, nous. Oui. C'est pas grave, il est juste à côté. Ah, ben je crois qu'il n'y a plus. Il n'y a plus les provisions pour Bray. Ou en tout cas, de quoi échanger après. Bon, ben on a rempli pas mal de quêtes là quand même. C'est plutôt pas mal là. Il y a un mail dans un champ de fleurs. Bah, d'accord. Bonjour. Vous cherchez l'amour? Peut-être que c'est un remake de L'amour est dans le pré. Ah oui, là c'est mieux avec le petit drapeau. Le petit fanion. Parce que toi au moins il bouge. Moi regardez, il reste statique mon truc. Ah ouais, c'est trop cool. Attends, attends, bouge plus, bouge plus. Non, pas forcément une photo, mais au moins regardez. Ah oui, du coup il se ouais, met. Là il bouge plus, c'est trop bien. Ah, ça au moins c'est réaliste. Alors que la cape elle vole toujours. Oui, oui, c'est vrai. Mais la cape elle est peut-être accrochée derrière. C'est coincé dans le mât. Et toi le tien il bouge pas? Non, il bouge pas. Oh, bah si, il bouge. Ouais. Ah, ah oh, bah oui. Putain, tu dis vraiment que des conneries. Hein. Oui, mais pas tout. Le bas. Mais j'avais même pas fait gaffe. Ah ben merci Glamreed, tu vois, ça m'a permis de voir que en fait le mien bouge aussi. C'est salaud, c'est moi qui te l'ai dit. Oui, mais c'est parce que du coup j'ai remarqué que le sien bougeait que je me suis attardé. Et après effectivement c'est toi aussi, merci à vous deux. Moi je remarque qu'il a la même barbiche que ton capi. On a tous la même barbe. La même couleur de cheveux. Peut-être qu'il aime les roues aussi. Est-ce que tu aimes les roues, Glamreed? Comment puis-je vous aider? Queue de loup, défense de sanglier et bouclier d'orque. Vous êtes un exemple pour nous tous. Cela peut vous paraître peu de choses, mais croyez-moi, nous apprécions grandement votre aide. Les gens qui vivent ici ont déjà bien assez de soucis,
pour devoir penser à s'occuper des bêtes sauvages qui prolifèrent de plus en plus. Depuis que ces lumières sont apparues sur le Mont Venteux, les problèmes succèdent et rien ne semble indiquer qu'ils vont se calmer. Acceptez cette maigre récompense, vous l'avez amplement méritée. Oui, alors maigre récompense, je crois que c'est le cas. Alors peut-être que ça va être meilleur quand même, parce que j'ai un objet de niveau 15, à la lance est niveau 22. Alors l'anneau, qu'est-ce qu'il fait ? C'est quoi de niveau 15 ? Ma grande hache. Et ma hache. Ah oui, mais c'est parce que je t'ai fait des trucs de tank. Un truc des merdes avec des trucs de tank. Oui. Voilà. Tu veux faire le tank, t'habiller en tank. Alors, 22, non, donc du coup ça c'est bon. Et au niveau du stuff, ça sert à rien. Sauf les bijoux. 50 de morale. Et ça sera plus intéressant que l'anneau de tactique. Restez un peu. Alors, est-ce que c'est une arme à deux mains, la lance? Non, c'est à une main. Non, parce que j'avais déjà eu une lance. On va garder l'arme à deux mains. Donc, on remarque, l'autre fait 24-40. Alors que... elle est à une main, quoi. Ouais. Ah ouais, si, je vais quand même mettre la lance. Même si j'ai qu'une lance à une main, c'est pas grave. Est-ce que je pourrais mettre ça en tenue? On va essayer. Ah oui, je peux tenir ma petite lanterne à côté. Ah oui, c'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Mon assistant. On dirait que les orques, les porcs et les loups ne vous feront pas peur. Très bien. Vous devriez pouvoir venir en aide à mon assistant à présent. Il se trouve au camp situé à l'extrémité de Minas Eriol. Il veille sur l'un des ouvriers et sur le frère de cette tête de mule, là, Gadaric. Donc, du coup, le frère Mastiche est là-bas. Si vous voulez nous filer un coup de main, allez donc le voir au camp situé à l'est de Minas Eriol. Donc voilà, l'assistant dont parlait Ilamrit tout à l'heure, c'est lui qu'on va aller voir. Alors. Déjà, Arinora. Les couvertures. C'est une bien triste journée. Bah non, bah pour le coup, c'est pas ce qu'elle veut celle-là. Comme ces peaux sont belles, je vais confectionner de splendides couvertures pour mes clients, grâce à elles. Tenez. Prenez ces quelques pièces en guise de remerciement de ma part. Alors, le bandeau. Oui, plus de destin. Ok, ça peut être intéressant. Le mur de Kandak. Alors, mon bouclier, il fait 1145. Eh non, lui, il est pas assez intéressant. Donc, à moins que la cape soit intéressante, non plus. On va prendre le bandeau d'Arinora. On va le mettre à la place... si ça veut bien. Du Corinthor. Ah oui, déjà, il faut que je change. Ben, on va mettre les deux, voilà. Hop, et on met les deux. Ensuite, j'ai plus de place, donc je vais vendre. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Alors, on vend ça. On va garder de quoi rendre des tâches. 50 masses en bois cassé, oui, ça devrait suffire. C'est bon, putain, on a encore plein de bouffe. Et attendez, attendez. Je vais manger un coup pour vider un petit peu l'inventaire. Alors, ça, c'est de la nourriture. Il faut que je voie la nourriture de voyage. Pendant 10 minutes, ouais, d'accord, je peux manger les deux. Et le petit déjeuner. Voilà, c'est ça, c'est pas les mêmes. Ça, on peut vendre. Ensuite, on ouvre. Les peaux noires, si on les vend aussi. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Artisanat. On répare un coup. On a encore un autre truc d'artisanat. Deux même. L'avantage, c'est que ça se met à la fin. Ça, c'est bien pour pouvoir vendre. Et puis surtout que j'ai du stuff d'ornementation, donc ça aide pas. Mais qu'est-ce que tu veux encore échanger, Glamride? Ah oui, oui, ça, tu as raison, tu as raison. Effectivement, il faut que j'ai de quoi fumer en quantité suffisante. 79 sachets d'herbe à pipe de souffle de dragon. C'est important. Merci. Merci, Glamride.
Ton épée fait du combien? Moi, aimer les roues? Ouais, bon, un peu. Les roues, au moins, ils sont différents des autres. Alors, c'est peut-être pour ça que toi aussi, tu les aimes bien. Mon épée fait du combien? Je sais pas. J'en sais strictement rien. Ma lance, alors ma lance, elle fait du 24-40. Et mon gourdin, il fait du 27-46. Les oreillers bien rembourrés. Ce sont ces plumes qui sentent aussi fort. Miséricorde, c'est une véritable puanteur. Qui eût cru que les oiseaux aussi petits puissent empester à ce point? Mais ce n'est pas dramatique, j'imagine. Grâce au plat du vieux larmoise, grâce au plat que le vieux larmoise nous prépare, la puanteur des plumes devrait disparaître en un rien de temps, masquée par les odeurs caractéristiques de l'auberge. C'est pour ça que ça sent le... Il y en a un qui disait que ça sentait les vieux champignons et le chien mouillé. C'est en fait les plats. C'est méchant quand même. Hein. Donc ça, c'est pas très intéressant. Peut-être l'arc. Ouais, l'arc est plus intéressant. Pauvre de moi. Je peux faire une arme. Bon level. Ah oui, oui, non, mais t'embête pas. Hein. Des pieds et des os. Oh, ceux-là feront parfaitement l'affaire. Nous allons pouvoir extraire la moelle des os, la saler et en couvrir les pieds préalablement nettoyés. Ajoutons une pincée de mes épices secrètes et voilà plusieurs portions de sanglier surprise d'Arinora. Très beau travail. Veuillez accepter ces quelques pièces. On va choisir plutôt des potions de vie. Des potions de morale, pardon. Bien le bonjour. Alors lui, Oli appréciera ses curiosités, c'est certain. Et les dents de loup devraient faire passer tout cela plus facilement. Je dois bien reconnaître avoir douté de votre succès. L'arrivée des gobelins a grandement... Bah oui, il nous donne une quête et il y croit même pas. L'arrivée des gobelins a grandement changé la nature de notre travail dans les terres solitaires. Vous avez mérité cette récompense. J'espère que ça vous suffira. Je sais que Buisson Rouge sera intéressé par cette livraison. Donc le casque... Non. Non. Et non. Donc on va prendre le casque puisque c'est une armure. Gadaric. Désolé. Les fourreaux. Vous la vengeance. Leur petite vengeance. M'avez-vous apporté beaucoup de fourreaux de gobelins? Très bien. Je suis un homme d'honneur. Je vais vous récompenser comme promis. Ces fourreaux en cuir sauront apaiser notre tristesse et prouveront à tous que l'on peut toujours trouver un moyen de chasser le mal de ces terres. Alors, encore le tube à compar chemin de tailleur. Voilà. On va ouvrir d'ailleurs. Alors, je les apprends pas. Hein. J'en ai vraiment rien à faire de faire du taillage. D'ailleurs, j'ai toujours pas fini au niveau du métal. J'ai toujours pas récupéré suffisamment de métal pour passer en expert et pouvoir récolter dans cette zone-là de l'auberge à un moment donné. Ou plutôt des terres solitaires. C'est une bien triste journée. Quand les chasseurs deviennent proies. C'est une fin juste pour les créatures vicieuses comme ces cruels wargs. Les miens seront heureux d'apprendre que nous avons des alliés tels que vous dans les terres solitaires. Nous trouverons un moyen de vous rembourser notre dette. Alors, qu'est-ce qui nous donne la hache? Bon, la hache, elle est quand même moins intéressante que la lance. Et la pèlerine, non plus. Donc certainement la hache. Ouais, c'est la hache. Un vol important. Pauvre de moi. Merci pour tout ce que vous avez fait. Il y a longtemps, mon peuple quitta l'agitation de la ville pour vivre ici, sur les terres de nos ancêtres. Sous le nom d'Aiglin, les oubliés, nous vivions en paix avec la nature, ne prenant que ce que les ruines avaient à nous offrir. La paix régnait et rien ne semblait la menacer. Et un jour, un rôdeur et ses hommes traversèrent le dernier pont pour gagner la trouée des hommes, et le mal se répandit sur leur route. Des gobelins vinrent du nord, ainsi que des nains complices des orques. C'est étrange, mais c'est la vérité. Depuis le sud, des orques portant un symbole représentant une main blanche s'étendirent dans la région d'Anunlos. Toutes ces créatures ravagèrent la contrée, nous chassant des ruines qui nous permettaient de subsister. Donc là, quand il dit un rôdeur et ses hommes traversèrent le dernier pont. Donc là, je suppose qu'il parle d'Aragorn. Alors après, quand il dit ses hommes, est-ce que c'est quand il y passe avec les hobbits ou est-ce que c'est d'autres rôdeurs? Je ne sais pas. Je ne pourrais vous dire. Alors 2,62, 3. Donc 3 pour les épaulières, dis donc. Plutôt pas mal les épaulières. Vengeance pour les Aiglins. Vous ne pouvez pas me laisser seul. Merci. La terreur s'insinue dans nos foyers et nous sommes incapables de lutter contre ses adversaires. Nous sommes qu'un peuple de cueilleurs et d'artisans.
Beaucoup d'entre nous sont vieux, malades ou très jeunes. Rares sont ceux qui sont aussi vigoureux que mon frère ou moi-même. Nous avons été chargés de trouver de l'aide dans les terres solitaires. Le rôdeur du Nord ne nous a été d'aucune utilité. Il reste là à observer les orques et les crébins pendant que les gobelins massacrent les miens au sud. Vous avez fait beaucoup pour mériter notre confiance. Je ne manquerai pas de dire du bien de vous à votre frère. Alors, là encore une fois, on voit qu'ils méconnaissent grandement les rôdeurs parce que les rôdeurs, c'est vrai qu'ils vont pas s'afficher en héros. Donc forcément, bah, il dit Candace, il nous aide en rien, il sert à que dalle et au final, heureusement que vous êtes là. Mais non, il doit certainement servir à quelque chose, sauf qu'il le fait dans l'ombre. Ça aurait été même certainement pire si Candace n'avait pas été là. Donc là, on peut la refaire. Et mon frère Unulf. Je peux vous demander de m'accorder un moment. Jusqu'ici, vous ne nous avez pas déçus. Toutefois, mon jugement est souvent guidé par la passion, et c'est pour cette raison que je vous envoie vers mon frère. Il saura déterminer le bien fondé ou non de vos actions. Suivez la route à l'est, là où elle commence à monter. La vallée au sud vous mènera à l'arrière de Minas Eriol. Vous trouverez là-bas mon frère dans le camp. Si vous réussissez ce test, vous gagnerez peut-être notre confiance et le droit de parler à une personne qui sait beaucoup de choses sur cette... Bah, certainement le chef des Aiglins. Mais tu veux encore faire un échange, mais dis-moi, Glamrid, tu n'as pas des quêtes à faire? Tu n'es pas niveau max, pourtant. Qu'est-ce que c'est? Ah, par rapport à mon autre arbre. Oui, effectivement, oui. C'est un truc que t'as acheté au fabricant d'armes à deux mains? Oui, effectivement, je pourrais la mettre, ça. Hop. Comme ça, ça fera un meilleur marteau. Oh, mais dis donc, c'est un petit marteau, on dirait un truc pour planter les clous. Ils appellent ça un marteau. Ouais, c'est pas... On dirait un truc de charpentier. Alors ensuite, il faut qu'on parle à Lieva. Désolée, vous aviez besoin de quelque chose? Les tabards de gobelins qui lui manquaient pour faire les épouvantails. Je n'ai pas grand chose d'autre à vous offrir que mes remerciements. Mon épouvantail se dressera devant l'auberge abandonnée afin de lancer un avertissement aux gobelins d'Anunglos. Ces derniers réfléchiront à deux fois quand ils verront que nous n'hésitons pas à nous moquer d'eux. Merci pour tout ce que vous avez fait. Mais de rien, de rien. Ça fait normal, on a tué les gobelins, autant récupérer les tabards. Alors Kandak. Je vous remercie, Rodogado. Avec ces fragments de poterie, je vais pouvoir continuer mon commerce. Mes clients et moi-même, ainsi que Madame Lefsap, seront ravis. Pourtant, j'ai peur pour les aiglins. Ce sont peut-être des charognards, mais ils ont le droit de gagner leur vie comme ils l'entendent, et les dangers qu'ils se multiplient dans les terres solitaires empiètent sur ce droit. Moi, en cas de besoin, je peux toujours rentrer à Bray, prendre la hache de mon père et devenir bûcheron. Mais les gens qui vivent ici, dans cet endroit oublié du reste du monde, il y a pour ainsi dire pas de travail. Bah oui. C'est vrai que c'est plutôt compliqué. Donc là... Ah oui, ça peut être plutôt pas mal le bracelet de bois vif. Maintenant c'est à moi qui donne des sous. Toi aussi tu vas être riche. Là je vous dis, Glamrid c'est le mécène. Moi j'aime bien être riche parce que j'ai beaucoup de choses à acheter. Oui, ça c'est vrai. Parce qu'elle achète tous les trucs d'artisanat, donc forcément au bout d'un moment, elle a la dash. Non, j'achète aussi les trucs de déco, les trucs d'ornementation. Et de réputation. Les trucs, ouais, les dadas. Ça coûte cher, les dadas. Salut Azarel, bienvenue sur le stream, j'espère que tu vas bien. Alors, un marteau à clous pour géant, oui c'est ça, c'est un peu ça. Sauf que le manche est, me semble-t-il, un peu trop grand. Parce que même si c'était pour géant, il faudrait pas que ce soit aussi petit. Ou alors, peut-être un marteau pour charpentier géant. Quoi? Les gobelins ont attaqué mon chariot? Une très mauvaise nouvelle. Comment voulez-vous que je nourrisse mes clients, moi? T'es vraiment fâcheux. Je dois y réfléchir. Vas-y, réfléchis. C'est bon, il y a déjà réfléchi. Ah. Ça ne mènera exil des gobelins. Rien, mais je pourrais vous parler. Ne prêtez pas attention au nom de cet établissement. Tout le monde ne l'a pas encore abandonné. Seuls ceux qui s'éloignent trop au nord et qui tombent entre les mains de ces sales gobelins ne reviennent jamais. Ces maudites créatures mériteraient une bonne leçon. Vous m'avez l'air d'être quelqu'un de confiance. Pourquoi ne montreriez-vous pas ces brutes qui envahissent les environs qu'elles ne sont pas les bienvenues dans la région? Les gens prennent aisément peur, voyez-vous. Avec tous ces gobelins qui rôdent dans les ruines tout près de l'auberge,
Je suis réduit à utiliser des bouts de charpente pour condamner les portes en attendant que quelqu'un vienne à mon aide. Vous trouverez les gobelins sur les champs d'Anunlos. Un bon nombre d'entre eux ont également établi un avant-poste dans les ruines de Minas Eriol au sud-est. Bon, ils ne pouvaient pas nous la donner avant celle-là. Avant quand on a buté plein de gobelins. Ah bah, il en faut en tuer que 10. Il dit qu'il est menacé. On va prendre la quête artisanale. Alors oui. Effectivement. On doit tuer encore des gobelins. Ça ne mènera sûrement à rien. Bah oui, récupérer des fourreaux. Tout à fait. Alors, est-ce que j'ai des choses à vendre? Déjà, je vais m'équiper de celui-là. Voilà. Et ensuite, on va bloquer ça pour éviter de le vendre. Spoiler, mais d'honneur, donc pardonnez. Oui, c'est un peu ça. Et encore, spoiler, bon, après, il y a des choses, si vous les avez pas faites, surtout que ça sera dans longtemps, je pense qu'on s'en rappellera plus. Donc on garde les masses, on va aller faire les tâches justement. Eh ben, qui c'est qui crie comme ça? C'est moi. Ok, bon, d'accord. Si c'est toi, ça va. Ouais, je pense que j'ai vendu tout ce que je pouvais. Mais j'ai toujours plus de place. Beaucoup trop d'objets d'artisanat. Alors, je vais boire un coup et puis on repart. Alors, affaiblir l'ennemi? C'est laquelle, celle-là? Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Bah, je sais pas, il y a une quête, là, mais je l'avais pas. Chaussure du vieux, l'armoise. Bon, bah, écoute. Je hais ces gobelins. Ce ne sont que des voleurs qui rôdent la nuit pour dérober les meilleurs champignons et les meilleures plantes. Si on les laisse faire, ils ne nous laisseront plus rien. Mais je leur ai préparé une petite mixture à ma façon. Elle les rendra plus lents et difficiles à diriger. À tel point qu'ils se battront peut-être entre eux. Et dans le cas contraire, bah, disons qu'elle aura d'autres effets qui devraient les dissuader de rester ici. Prenez ces mixtures et versez-les dans les tonneaux de nourriture des gobelins au nord-est de l'auberge, au rempart venteux, au pied du mont venteux. Revenez me voir une fois que vous aurez terminé. Ah bah, il y en a une autre. Et où est-ce que tu les as prises? On peut être mieux comme ça, on n'a pas les chercher. Moi, ça me les partage pas en plus. Écoutez, à moins que je les ai ratés. Bon. Maître Meute. Je les ai pas, moi. Eh bien, écoute, je repartage après. Maître de Meute Gobelin. Puisque vous partez au nord-est vers les collines et les vallées infestées de gobelins, vous pourriez peut-être me rendre un autre service. Il y a un grand nombre d'ouargues parmi les gobelins. Mon ami, le vieux Larmoise, le cuisinier de l'auberge abandonné, a une terrible aversion pour eux. Personnellement, je déteste les gobelins. Et j'aimerais que vous traquiez le maître de meute Luz. Mais pourquoi ça a disparu? Mais... Parce que ça reste pas. D'accord. Ça va pas me plaire, ça. Bah, il faut qu'il te la repartage. Vas-y, repartage-la moi, s'il te plaît. Et je sais pas où est-ce que tu les as prises. Parce que si tu les as prises là où on doit les prendre les prochaines, ça me... plaît pas trop parce que du coup on va pas voir les personnes. Alors qu'est-ce qu'il dit? Si jamais vous le voyez, éliminez-le. Il vous donnera certainement du fil à retordre, mais je pense que vous réussirez à le battre. Revenez me voir une fois que ce sera fait. Il y a une sorte de chef. Quelqu'un pourrait me dire s'il vous plaît s'il y a un moyen peu cher de récupérer les quais des dernières extensions. J'ai arrêté le jeu il y a quelques années. Alors les quais, qu'est-ce que tu veux dire, les quais des dernières extensions? Tu veux dire les clés pour ouvrir les coffres ou tu parles des dernières extensions tout court? Obligé d'acheter toutes les extensions si je veux monter mon chasseur au niveau max. Ah oui, d'accord. Ben ouais, donc là, en ce moment, t'as une promo avec les points SDAO. Donc ça veut dire que pour un certain montant, tu peux en acheter... Qui c'est qui gueule, là? Attendez, je vais me mettre à... Merci. Tu as le double de points pour ce que tu as acheté. Donc, si tu achètes 500 points, t'en as 1000, etc., etc. Donc, ça peut être intéressant si tu veux acheter des extensions avec des points SDAO. Après, sur le site,
sur le site, tu les trouves, ou peut-être sur les sites comme Instant Gaming, G2A, etc., où tu pourras peut-être les avoir pour moins cher. Alors je sais pas, j'ai jamais été regardé pour l'autre, mais ces sites-là peuvent être intéressants. Donc si d'autres personnes ont des idées et connaissent des moyens d'avoir les extensions de l'Outro officiellement et moins cher, n'hésitez pas à partager. Hein. Faut aller voir Lieva. Ah, mais elle avait d'autres quêtes. D'accord. Ah, ben merci, oui, parce que du coup, ça m'étonnait aussi, je t'avais pas vu bouger. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait et tout. Bon, bah écoutez, on sort, on va juste rendre les tâches. Je vous rappelle les tâches. Mais moi, elle me les donne pas, les quêtes. Elle me les donne pas et ça me les a pas partagées. Bizarre ça. Attends, qu'est-ce que ça dit? Ne peux pas prendre part à cette quête. Mais pourquoi? T'aurais pas pris l'autre? Tu l'as reprise l'autre ou pas? Ouais. Eh ben, peut-être enlève-la, non? Moi je l'ai pas reprise l'autre. Merci Azarel, merci pour ton follow. Merci de suivre les aventures. Ça me les donne pas quand même et je peux même pas la reprendre. Ben, attends, je vais regarder, mais je pense que... Hop. Non, même je crois pas qu'il y ait... je crois pas qu'elles y soient. Mais extension. Ah. Extension Mordor, c'est le dernier. Non, tu dois vraiment devoir les acheter. Ouais, plutôt avec des points. Certainement qu'en ce moment c'est le plus intéressant avec les. C'est ce bonus de double point. Moi je te conseille de le faire comme ça parce que ça te coûtera moins cher que toutes les éditions de base que tu pourras avoir sur, sur le site. Mais après, regarde qu'on part pour essayer de faire le plus intéressant. Après, rien ne t'empêche de les prendre au fur et à mesure, hein. T'es pas obligé de tout prendre d'un coup. Donc nous avions des masses en bois cassé. Voilà, je prends les masses en bois cassé. Hop. Alors c'est à qui que je dois les rendre? À Gadaric, super. Alors ça c'est pas super pratique. Donc c'est pour ça, je vous le rappelle, si vous avez une maison personnelle normal de luxe ou si vous avez une maison de confrérie, n'hésitez pas à aller les rendre dans la zone de résidence parce que sur la place vous avez tous les panneaux de tâches des différentes zones, des zones 1 à 10, des zones 10 à 20, des zones 20 à 30, et vous pouvez rendre tout simplement en regardant le panneau de quête et en allant le donner dans un coffre. Alors effectivement c'est moins logique parce que vous n'allez pas sur le lieu, mais comme le chercheur d'instance vous permet d'aller dans les instances sans vous y rendre sur place, eh bien pourquoi pas profiter des différents panneaux sur les lieux de résidence. Voilà. Là par exemple je suis obligé de re-rentrer dedans à chaque fois, la recharge. Donc c'est pas très pratique. Vous ne pouvez pas me laisser seul. Mais bon, ça me libère un emplacement et ça me permet de faire les tâches aujourd'hui. Donc les tâches, je leur rappelle également. Je vais faire beaucoup de rappels hein, durant les aventures. Je le rappelle, ça permet de monter la réputation. Et l'avantage aussi que vous avez sur les lieux de résidence avec les panneaux des tâches, c'est que vous pouvez choisir entre les différentes zones, donc entre les différentes réputations. Alors que là, je suis obligé de donner pour les aiglins. Tac. Allez, l'avant-dernière. Désolé, c'est un peu long, hein. Heureusement, ça charge vite. C'est une bien triste journée. Bon, alors du coup, ça me donne panique. Si, si, je vais te les donner. Ah non, mais elle veut toujours pas? Non, elle me donne pas les... Ouais, c'est bizarre quand même. Pauvre de moi. Voilà, c'est bon, j'ai fini. Je sais pas. Bah écoute, moi je peux pas te les filer. Série de quêtes, petite menace. C'est ça que ça me dit.
mais c'est dommage. Peut-être que pour la faire après. Et du coup, tu viens? Parce que de toute façon, si tu peux pas la prendre là, et qu'on peut pas la partager, ça reviendra au même. Si par contre on peut la partager, c'est comme si tu pouvais la prendre. Donc autant qu'on aille sur place. Bah, ça peut pas la partager puisque toi t'as pu l'avoir et pas moi. Ouais. Non, non, ça veut vraiment pas. Exil de gobelins, mais attends, il y en a trois. Donc il y a éliminer l'Urtz, exil de gobelins et affaiblir l'ennemi. Est-ce qu'il y en aurait une que t'aurais... Parce que là, il y en a deux. Est-ce que t'aurais parlé au tenancier? Tu l'as parlé? Pour exil de gobelins? Au tenancier, là, à Anlaf. C'est peut-être à Anlaf. Peut-être parce que tu l'as pas parlé, que t'as pas les quêtes. C'est pour ça qu'après, il me les a filées. Pas, essaye, hein. Par là, Anlaf. Quel con. D'accord. Elle avait pas rendu la quête, c'est pour ça. Et voilà, du coup maintenant, elle va pouvoir les prendre. Quel connard, hein. Tout ça que sa quête de... Bon, en tout cas, merci Viltar, parce que c'est vrai que si vous avez pas repris la quête ici, à machin, là, à Lieva, si vous l'avez pas repris, ah, eh bien, vous voyez toujours l'anneau de sa quête d'artisanat, mais vous voyez pas qu'il y a des nouvelles quêtes à prendre. Donc allez checker quand même. Je pense qu'il faudrait qu'on le fasse dans les autres zones. Allez, on est reparti. Oui, un petit peu plus longtemps. Alors déjà, je suis motivé. Et puis bah, là, c'est le week-end. Donc oui, un petit peu plus longtemps. Et ne vous inquiétez pas, ça va pas durer de trop parce que... Et je commence à bafouiller, hein, comme d'habitude. Mais bon, j'ai pas besoin de fatigue pour ça. Et en plus, il sera bien temps d'aller dormir. Mais de toute façon, comme il fait chaud, autant attendre que la température redescende. Il en faut des porcs? Je non. Crois pas, non. Quoi qu'il en faille. Mais après, les gobelins, on aurait pu les faire de l'autre côté. Parce que vous avez vu quand même que affaiblir l'ennemi... Il y a pas un autre truc ici aussi? Pas, ou alors je l'ai pas activé. Allez. Ça nous fait visiter. Ça vous fait visiter aussi. Puis de toute façon, ça donne 8 de répute à chaque gobs, alors c'est intéressant. Parce que la réputation des églats est quand même assez longue à monter. Pour ça, rendre les tâches, c'est très important. Et bah, tuer des gobs. Il y a peut-être d'autres créatures aussi, je m'en souviens plus, qui vous en donnent. Après, avec 8 de réputation, ça fait plus des chiffres ronds. Donc pour ceux qui aiment bien que les choses soient carrées, réputation des églins, ça vous embêter. C'est pour ça qu'il faut la finir. Ça, vous êtes sûr que le chiffre est là. Tain, t'as vu, il se ramène. Ah bah 500 de répute, ah bah du coup j'ai passé. Attends, non c'est tueur des gobelins, pardon. Challenge. Oh non, piégé. Tu pourras plus bouger. Ça dure trop longtemps, putain. Ah mais je reviens pas que les pièges de gobelins de ce niveau là soient aussi efficaces. Ça fait kamikaze. Ah voilà, oh bah yoga. Mais ils se ramènent d'où eux? Ils passent devant comme ça. Bonjour.
Je suis le gobelin farceur. Troll farceur et elfe farci. Ouais, il a déjà ouvert. Ok. Allez, 5 points supplémentaires. C'est toujours ça de prix. Donc, en laf, on va pouvoir aller le revoir après. Les fourreaux, c'est bon. L'urte, on l'a pas fait. Mon assistant, il faut qu'on aille lui parler. Et mon frère Nulf aussi. Donc, ces quêtes-là sont un petit peu plus loin de l'autre côté. C'est bien, ça brûle son corps en hommage à ce fidèle gobelin gardeur de pont. Oh pardon, pardon Viltar. Qu'est-ce que t'as fait? Ah ben j'ai bougé. Qu'est-ce que c'est que ça? Cuirasse, niveau 25 minimum. Ah oui, ça c'est chiant ça. Bon déjà ça m'intéresse pas trop mais... ouais ça c'est des objets avec des niveaux minimum. Ah du coup, quand on utilise la pierre de la tortue, c'est beaucoup moins intéressant. Marteau. Encore un marteau. Ah oui, effectivement, il est encore meilleur. Même. Je prends. Je te remercie. Ah, je vais le lier à moi de manière permanente. Et alors, ce marteau, il est un petit peu plus gros, mais juste un tout petit peu. Hein. Bah, on va aller les voir par derrière. Hein. L'assistant et le frère. Le frère Unulf. Ça fait un peu moine comme ça, frère Unulf. On peut peut-être passer par là. Hein. Il y a un chemin, je le suis. Ah mais je vois un anneau de quête quelque part. Là, il y a un chemin. Nouvelle prouesse, connaissance des aiglins. Ah, mais cool! Ah, ben voilà. Et ben parce que j'ai rendu deux fois des tâches alors qu'on n'était pas encore justement dans la zone des terres solitaires. J'ai rendu deux fois, donc ça m'a donné 600, je crois, au total de réputation. Et ben voilà, je suis déjà passé au niveau de la réputation. Oh, ça va, arrête de te la péter, ouais. Voilà, je suis connaissance des aiglins. Et s'oublier. Nous de la confrérie Toronelonyme, les amis des aigles, nous sommes bientôt amis des oubliés. Alors par contre vous êtes où? Oui c'est vrai, je suis bientôt. Oui attendez, il faut que je fasse le tour. Allez vas-y. Qui c'est qui s'est paumé en pleine pampa là? Tiens, on a déjà fini Tueur de gobelins? Ah oui, oui, depuis un moment. Acceptez ah non, on est avancé là. Ah oui. Ah oui, oui, mais on a fini le premier en tout cas. Un sauvetage audacieux. Hobbit, vous êtes bien là? Mes yeux ne me trompent pas. Mais elle est déjà... Je suis Léo. Oh non, j'ai pas pris la quête. Mais non, si, si, c'est bon, ça marche pour tout le monde. Mais qui c'est qui l'a lancé? Viltar, c'est toi qui l'as lancé? Viltar, il faut que t'attendes que j'ai lu la quête. Parce qu'on sait pas pourquoi on la défend. Alors attendez, je vais vous suivre. Comme ça, je vais aller lire le résumé. Okay. Alors, l'arche qui marque la fin des ruines se trouve à l'ouest. Léo Wena vous a demandé de l'escorter jusqu'à la sortie des ruines afin de lui rendre la liberté. Elle se trouve dans la partie est, après le premier campement gobelin au sud-est de l'auberge abandonnée. Elle a été piégée dans les ruines au sud-est quand les gobelins ont pris le camp des aiglins. Elle se cache dans les ruines depuis ce moment et a besoin d'aide. D'accord, donc en fait, elle, c'est une guerrière, sauf qu'elle se retrouvait coincée. D'accord, tu croyais pas? Non, mais c'est pas grave. C'est rien. Mais c'est vrai que du coup, voilà, je me retrouve un peu couillonné parce que je voulais lire le truc. Et je peux pas. Heureusement, je peux lire le résumé. Donc ne t'inquiète pas. Et oui, la pampa, moi j'aime bien ce mot, la pampa.
Oui, ça pousse de partout, c'est en désordre, et puis c'est pas forcément chouette. Ça fait un petit peu roussi. Attendez un peu, prudence, les gobelins sont nombreux devant vous. Oh, mais on les défonce. Oh. Il était plus intelligent, tu vois. Ouais, il a lancé devant lui. Il a lancé en plein sur moi, surtout. Bon, alors elle va où? C'est le guide touristique. Attention, vous mettez les pieds sur ce pont. À moins que vous ne vouliez affronter les araignées. Les bah, araignées. Ça va, il est quand même assez large. Ah oui, il y a plein d'araignées en dessous. Mais c'est pas le pont de Khazad-dûm, hein. Ouais, c'est clair. Pont de Khazad-dûm, on peut y avancer qu'en file indienne. Enfin, dans le livre. Alors, elle est où? Elle arrive, elle arrive. Faut pas se presser. Bon, je pense qu'on finit ces quêtes et puis on s'arrête. Donc, bah, d'ici 10 minutes peut-être. Franchement, pourquoi elle nous fait traverser toutes les ruines, quoi? Ou d'ailleurs, je vais remettre en suivre. D'ailleurs, ça me fait penser. Hier, l'un de vous m'a dit que... Ah oui, tu stream en 720p 60fps, c'était peut-être toi d'ailleurs, Ayombure. Et je lui ai répondu que, justement, moi j'étais pas encore partenaire, donc vous ne pouviez pas choisir la différente qualité. Parce que les partenaires ont un peu le serveur spécial, enfin des options supplémentaires. Et donc, bah, vous avez qu'une seule qualité. Donc je peux pas streamer moins bien, parce que sinon c'est dégueulasse et ça, je veux pas du tout. Et si je stream mieux, bah, j'aurai encore moins de personnes qui pourront regarder. Cependant, comme je vous l'ai dit, ce week-end, je vais mettre les différentes aventures qu'on a fait depuis la semaine dernière. Ensuite, si par exemple vous devez partir, si vous devez partir en plein live et que vous êtes intéressé pour connaître la suite avant le lendemain pour le prochain live, eh bien vous avez juste à reprendre la rediffusion. En fait, vous allez tout simplement sur Twitch ou dans rediffusion et ça vous reprend là où vous étiez arrêté. Ça, je trouve ça super comme sur YouTube. C'est plutôt pratique. Ah oui, d'accord. Ok, bah comme ça au moins tu sauras pourquoi. Un jour peut-être j'aurai pour vous cette option. Vous pourrez choisir la qualité. Mais sinon, voilà, sachez que sur YouTube, vous pouvez choisir les différentes qualités. Par contre, pour la rediffusion, ça vous permet de la re-regarder si vous voulez savoir la suite parce que vous êtes parti entre-temps. Mais vous ne pourrez pas choisir une qualité moindre. Ça sera toujours en 720p 60fps. Pour le moment. Oh bah, elle s'incline même quand même. Elle a dû s'incliner plus bas parce qu'on est des hobbits. Elle nous a dit que... faudra qu'on dise à Gadaric qu'elle va bien. Ok. Bon, ben il faut juste éliminer Luc, maître de meute gobelin. Oui, oui, Azarel, il n'y a plus qu'un serveur FR. Il a fusionné avec Estelle, ou plutôt Estelle a fusionné avec le Cyrallon. Et du coup, il n'y a plus qu'un seul serveur FR, mais il y a toujours du monde. Donc, c'est plus sympa qu'avoir deux serveurs où il y en a moins. Et puis, il y a un feu qui me prend. On peut pas y passer? Ah, si, par en haut. Je vais pas du tout passer par le bon endroit. Bah, je sais pas, bah, sinon on fait le tour. Hein. Mmh. Il faudrait juste qu'on ressorte au moins de ces ruines. Arriver de l'autre côté. Qui team? C'est nouveau ça. Stalk. Non, c'est bon. Après, ouais, c'est le moins peuplé du jeu parce que les Français, voilà, n'est pas nombreux à aimer autant, j'imagine, cet univers-là. Il y a peut-être beaucoup plus sur WoW. Aïe, j'ai mal. Effectivement, oui, t'as perdu pas mal de PV. Ouais, parce que j'avais deux blessures. Oh.
passe par les nier là. Non, il faut passer par les ruines. Ouais, non, pas par les ruines, ouais. Attends. Oh, tiens, ils sont plus balèzes là maintenant. Ouh, ça, c'est des signatures, ça, oui. Oui, ils donnent 12 en réputation, par contre. Ah, là-dedans, ils sont plus balèzes. Rends-moi le mérou! Ok, ils sont niveau 25. Bon, ça va, à 3, on se les fait sans souci. En fait, ma petite hachette permet de couper le tendon d'Achille derrière. Tchac! Ils peuvent plus courir, ils se cassent la gueule. C'est comme ça qu'après on se retrouve avec des gobelins à la face aplatie. Bah non, attends, c'est par là, c'est par là. Pourquoi ils mettent des têtes d'or sur leur pic? Je sais pas. Peut-être parce qu'ils les aiment pas. D'accord, t'essayes de te reconnecter. Et tu as perdu ton mot de passe. Est-ce que, tu avais bien fait le transfert de ton personnage, ou plutôt de ton compte, quand tu en avais la possibilité? Parce que attention à ça aussi. Quand ça a changé pour Turbine, vous aviez eu un message pour ceux qui étaient là, qui vous indiquait sur votre boîte mail de l'époque, en tout cas, bon, que ça n'avait pas changé, de devoir vous reconnecter pour valider votre compte et ainsi le conserver. Et vous aviez pour cela un an. Sinon, bah, il a été purement et simplement supprimé. Parce que c'est quand les serveurs sont passés sur, sur Turbine. Ah, les voilà. Ah oui, donc c'est bon alors. Okay. Non, non, c'est bon, si c'était il y a un ou deux ans, c'est bon. C'était il y a plus que ça. Allez, mon frère Unulf. Bon, de toute façon, on va rendre les quêtes, on va les lire et on les fera demain. Comme ça, ça permettra d'en faire un petit résumé et surtout d'amorcer plus rapidement. Mais où va le monde? Oui, je te le demande, mais où va le monde? C'est Gadaric qui vous envoie. Excellente nouvelle. Mon frère a voulu se venger, c'est vrai. Nous avons perdu beaucoup des nôtres lorsque les gobelins sont arrivés. Beaucoup ont disparu. C'est une bonne chose que vous soyez là pour nous aider. Brûlez les morts. Vous permettez que je dise ce que j'ai à dire? Allez, vas-y, je t'écoute. Lorsque les gobelins sont arrivés à Minas Eriol, ce fut la panique. Beaucoup ont couru vers les sauvages. D'autres ont cherché à s'enfuir par la vallée qui se trouve sous les ruines dans l'espoir d'échapper aux lances et aux dents pointues des gobelins. Ceux-ci ont malheureusement servi de proie aux araignées vivant à cet endroit. Ceux qui ont péri dans la vallée doivent être brûlés. Il faut absolument leur épargner la terreur qui les attend. J'aimerais que vous brûliez les cadavres de ceux qui ont péri. Vous pouvez passer par le nord-ouest en sortant de Minas Eriol pour pénétrer dans la vallée ou traverser le pont et passer par le territoire gobelin à l'ouest. Notre plus belle trouvaille. Je ne vais pas vous laisser m'ignorer. Rodogado, si vous avez le temps, j'aimerais votre aide pour une chose très importante. Alors que les gobelins se frayaient un chemin à travers nos rangs, nous avons sauvé notre découverte pour la cacher dans les ruines de Minas Eriol, dans un endroit nommé Ostladen. C'est là où se cache Ben Laden. C'est une statue que nous avons récupérée dans un marais. Nous espérions la garder en sécurité, mais un visiteur récent d'Osgurut a mentionné que la statue était la cause des problèmes que nous affrontions. Ah! Si vous êtes d'accord, il faudrait récupérer cette statue. Vous la trouverez dans les camps de gobelins plus à l'est des ruines de Minas Eriol, au-delà du pont à l'ouest. Je crains que les gobelins ne l'aient déjà trouvé. Épargnez aucun, quand vous l'aurez rapporté à moi. Récupérez la statue de jeune fille. Ok. Perdu dans l'étoile. Je ne vous demande pas grand-chose. Au fil des ans, nous avons étudié et collectionné les objets qui se trouvent dans ces ruines. Ils ont permis à notre peuple de survivre, mais nombre de ces trésors ont été perdus au cours du temps dans l'antre des araignées.
Puisque vous devez vous rendre dans cette vallée pour nous aider à résoudre le problème des araignées, j'aimerais que vous preniez le temps de récupérer ces trésors pour nous. Vous les trouverez probablement enveloppés dans d'épais cocons, disséminés dans toute la vallée. Déchirez les cocons pour récupérer les objets et rapportez-les-moi. Et la dernière, tisseuse sous les ruines. Vous permettez que je dise ce que j'ai à dire. Visiblement des araignées. Le mal fleurit depuis longtemps dans les endroits maléfiques, et les créatures nées dans ces ombres sortent de leur repère pour s'en prendre aux aiglins. Ah, aux aiglins, il n'y a pas de S. D'accord. Je sais pas, c'est pas une faute, ça. Les araignées acroviles et les araignées tisseuses d'ombre résident sous les ruines de Minas Eriol, au nord-ouest de ce camp. Leurs yeux observateurs capturent tous ceux qui les voient. Arrachez-les et vous leur ôterez tout leur pouvoir. Si vous en avez le courage, j'aimerais que vous trouviez les araignées sous Minas Eriol et que vous leur preniez leurs yeux pour les affaiblir. Ils sont noirs comme la nuit et rouges comme le sang. C'est un peu dégueulasse quand même, parce qu'on leur prend leurs yeux mais on les laisse en vie. Autant les tuer carrément. Oh. Je sais pas, il est juste récupérer les yeux mais il parle pas de les tuer. Bon, ça rappelle la quête avec les Barghest, les yeux de Barghest qu'on a dû récupérer à la petite cuillère là, faire sauter. Tiens d'ailleurs, on va remettre Ed. C'est que Ed n'aimait pas beaucoup les ruines. Le vieux larmoise, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah oui, on a oublié de vaincre Lutz. Oh mais c'est pas grave, on le vaincra demain. De meilleures couvertures. J'ai failli oublier, Enlave veut que j'offre de meilleures couvertures à nos hôtes de Bray. De meilleures couvertures? C'est à peine croyable. Simplement parce que ces personnes viennent de la ville, il faudrait qu'elles aient droit à de meilleures couvertures. Je vous le demande, est-ce juste? Non, bien sûr que non. Mais Arinora n'a pas le choix. Vos premières couvertures suffisent à ceux qui ont été élevés à la dure. Mais les autres ont besoin de quelque chose de mieux, d'après Olaf. Je me suis dit que je pouvais lui filer un coup de main. Chasser les lynx de Nen Enid, au nord d'ici, à l'est du Mont Venteux, et récupérer leur peau. Leur fourrure est douce et bien entretenue. Apportez-moi et je ferai ces couvertures pour Arinora. D'accord, donc après avoir récupéré des couvertures pour... avec des peaux de loup, on récupère avec des peaux de lynx. Le lynx étant plus doux que l'ourou. Que le loup. Je fatigue là. Un repas bien mérité. On n'est pas vraiment riche ici, vous le savez. On gagne notre vie comme on peut, et depuis que les gobelins rendent la route dangereuse à l'est, notre auberge est plus isolée que jamais. Si vous avez du temps à perdre, il y a du travail. Notre chance est sur le point de tourner. J'ai trouvé une solution pour rendre la route sûre. Il suffit de tuer le chef et les autres s'enfuiront. Mais je vais avoir besoin pour mettre ce plan à exécution, de beaucoup d'aide. Si vous êtes d'accord, rendez-vous au nord ou au nord-est, dans les broussailles, et ramenez-moi de la viande de lynx. Essayez de m'en apporter suffisamment pour un warg ou deux. Qu'est-ce qui ne va pas? Les lynx sont des créatures dangereuses si on les met en colère, et leur viande servira à ma cause. Si vous ne voulez pas mettre fin à la menace des gobelins et des wargs, alors allez chasser quelques lynx, et pas d'excuses. Nous ferons d'un lynx deux coups. Ah oui, c'est drôle, tiens, dis donc. Une pierre deux coups d'un lynx deux coups. Récupérer de la viande de lynx pour nourrir les wargs. Bon, et juste le dernier, l'assistant Osman. Mon assistant. Désolé, vous aviez besoin de quelque chose? C'est Bram qui vous envoie? Je suis censé veiller sur un hobbit, le vieux larmoise. Et la tâche est loin d'être aisée. En plus, je dois m'assurer qu'il n'arrive rien à une ulfe. Et voilà qu'il m'envoie un message pour me parler de ses autres problèmes dont il faudrait que je m'occupe. Heureusement que vous êtes là. Désolé, vous aviez besoin de quelque chose. Des gobelins venus du nord ont envahi les ruines du sud, puis sont tombés sous la coupe des étranges orques au nord. Leur chef, un petit cornio rusé du nom de Nishruk, se cache dans les ruines à l'ouest de son camp, qui est situé dans les lieux les plus sombres de Minas Eriol. Bram m'a envoyé ici pour m'assurer que Nishruk a bien été vaincu, et que leurs troupes sont sous surveillance. Nous savons désormais que leur camp se trouve à l'ouest, au-delà des ruines, dans une région infestée de gobelins. Rendez-vous dans cette partie des ruines de Minas Eriol et tuez Nishruk. Je vous réserve une récompense pour votre rôle. Bon, ben je crois qu'on va tuer pas mal de chefs. Mais ça sera demain. Les quêtes sont de niveau 25. Vous comptez faire l'instance du Rogalgal avant? Alors oui, comme je l'ai dit en début de live, on va faire l'instance demain, mais alors seulement nous deux avec des pick-up. Et on le fera après dimanche. On fera les trois instances, le labyrinthe, Tadur et Sambrog,
les instances d'Egalgal en live pour que du coup vous voyez un petit peu ce que ça donne pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne se rappellent plus très bien ou qui ont envie de le revoir. Voilà les instances d'Egalgal. Bon, en attendant, moi je vous souhaite une excellente soirée. N'ayez pas trop chaud, rafraîchissez-vous bien. On a passé un bon moment parce que du coup on a fait quand même pas mal de nouvelles quêtes. Mais voilà, c'est comme ils disent, hein, c'est pas une auberge si abandonnée que ça. Hein. Il y a quand même du monde, il y a quand même du passage. Il y a des choses à faire. Donc on a commencé, on a enfin fini le pays de Bray. Alors nous on finira nos prouesses là-bas pour vraiment bien cleaner la zone. Mais au niveau des quêtes, c'est terminé. Et il nous reste maintenant à explorer les terres solitaires. Donc la quête épique, la prochaine étape, ça sera aller voir Candette dans son camp aux alentours du Mont Venteux. Et puis demain on ira tuer du gobelin, tuer de l'orc, tuer des pauvres lynx pour nourrir les wargs, pour attirer les wargs. Voilà, ça c'est le programme. Donc je vous dis bonne nuit à tous et à bientôt pour le prochain stream. Allez, ciao ciao.